Bonsoir à tous et à toutes. Au nom du regroupement des comptables professionnels agréés de la Montérégie, c'est un plaisir pour moi de participer de façon virtuelle à la célébration des prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Et ce, malgré la situation bien particulière que nous vivons actuellement. Chers finalistes, vos réalisations témoignent de votre audace, de votre détermination et de votre créativité. Vous êtes des leaders qui motivent, influencent et rassemblent. En innovant jour après jour, vous mettez en valeur tout le potentiel de notre collectivité et de notre prospérité économique. Au quotidien, et plus que jamais dans les circonstances actuelles, vous faites face à de nombreux défis. Soyez assurés que les CPA sont mobilisés et sont vos alliés afin de prendre les bonnes décisions pour sortir de cette crise sans précédent. Ensemble, redonnons un nouveau souffle à notre économie. Les CPA de la Montérégie vous souhaitent une excellente soirée. Accompagné de Richard Damour, président de la Chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud, voici votre animateur, Manuel Urtibiz. Bonjour à tous et à toutes. En fait, c'est un bonjour assez spécial parce que c'est la toute première fois ce soir qu'un gala de remise de prix est diffusé en simultané sur le web et à la télévision sur les ondes de TVRS. Mon nom est Manuel Urtubiz. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette 36e édition du gala Dominique Rollin et c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, que ce soit virtuellement, donc en web diffusion ou encore en direct à TVRS, afin de couronner les lauréats des prix Excellence 2019-2020. Tout d'abord, je tiens à remercier énormément la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud de m'avoir confié l'animation du gala de cette année dans une toute nouvelle forme, parce que oui, nous aussi, vous le savez, on a dû s'adapter à la nouvelle réalité qui nous a été imposée. Mais c'est un honneur pour moi de participer à la création d'un événement qui met en valeur des entreprises de notre grande Rive-Sud ce soir. Même si on ne peut malheureusement pas être physiquement ensemble ce soir, et ça, c'est sûr que ça nous manque, je peux imaginer, et dans le cas de nos finalistes, je dirais même, et j'irais jusqu'à dire que je peux presque sentir votre fébrilité, votre énergie devant votre écran en ce moment. Est-ce que vous voulez voir nos finalistes? Parce que on ne se le cachera pas, ce sont eux les vedettes de cet événement de ce soir. Voici donc, mesdames, messieurs, nos 32 finalistes via Zoom que je vous présente tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes un peu nerveux? On sait très bien que pour nombre d'entrepreneurs et leur entreprise, la période qu'on traverse en ce moment, c'est évidemment une période qui n'est pas facile. Alors notre objectif ce soir, c'est de vous faire passer un bon moment et de souligner à quel point vous êtes tous des entrepreneurs d'exception. Peu importe l'issue du gala, soyez fiers de vos accomplissements, de vos bons coups, de vos succès. Vous êtes tous des gagnants dans notre cœur. Ils sont beaux, nos finalistes, trouvez-vous? Et vous savez que ce sont nos vedettes de la soirée, alors on va les revoir souvent parce qu'ils sont au cœur de l'excellence de la Rive-Sud et ils méritent pleinement d'être nos stars ce soir. Maintenant, sans plus tarder, permettez-moi de vous faire entrer chez nous qui, on l'espère, sera vous faire sentir un petit peu chez vous tout au long de la soirée, parce que j'aurai le plaisir ce soir de co-animer votre gala en compagnie de nul autre que le président de la CCIRS et avocat fondateur du cabinet Fortier Damour Goyette. Je vous présente mon co-animateur, Richard Damour. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Ça fait tellement bizarre, je te resserrerai la main. On peut pas. Comment vas-tu, maître Richard, Richard Damour, maître Richard, qu'est-ce que tu fais ça simple? Oui. On peut se tutoyer? Sans problème. C'est vendu. On se tutoie, c'est réglé. C'est tout de suite ça. Alors, chers téléspectateurs, je tiens à vous mentionner que toute l'équipe de production respecte comme il se doit la distanciation physique, on vient d'en parler, de 2 mètres, en tout temps sur le plateau, n'est-ce pas? Tu vas me permettre de remercier l'équipe de production. Mais il faut remercier TVRS, parce qu'ils nous permettent d'être au 609 HD sur Vidéotron. Merci à notre partenaire. On est très fiers d'être partenaire avec TVRS pour ce gala. Et on est tellement bien accueillis et reçus dans leur magnifique studio. On remercie également nos précieux partenaires qui ont su supporter la Chambre à travers cette idée innovante et qui nous permettent ce soir de vous offrir ce gala virtuellement. Vous savez que c'est aussi grâce à des partenaires que nous avons pu livrer à tous nos finalistes pour assister au gala ce soir une boîte afin d'agrémenter leur soirée. C'est une belle boîte cadeau et pour connaître le contenu, on va vous le présenter en vidéo. Alors, parce qu'il y a plein de choses là-dedans et de surprises. Et tout d'abord,
Merci à la Banque Laurentienne qui fera trinquer nos finalistes de ce soir avec le vin blanc mousseux du domaine Lavoie. Richard et moi également, on en a, et plutôt deux bouteilles qu'une dans le studio. De leur côté, le Fonds de solidarité FTQ a offert, lui, un assortiment de cadeaux gourmands. Et pour couronner le tout dans les boîtes, l'Ordre des CPA de la Montérégie a offert du pop-corn salé, sucré. Les boîtes cadeaux ont été assemblées par nos amis. On voit que Richard se garde dans le pop-corn. Est-ce qu'il est bon? Excellent. C'est un peu pour passer ma nervosité, je ne suis pas habitué comme toi. C'est une grande cuvée, Richard. C'est une cuvée 2019. Ils ont été assemblés, bien sûr, par les gens de la Grande Gourmandise et tous les produits utilisés proviennent de la Montérégie. Merci beaucoup, Richard. Tu étais déjà dans le popcorn et j'espère que tu peux continuer, gêne-toi pas. Pour vous à la maison, si vous nous regardez, juste une petite info, via la web diffusion, si vous êtes sur le web en ce moment, sachez qu'à tout moment, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, féliciter nos gagnants, poser des questions. Vous utilisez l'onglet « Questions, commentaires » juste au bas de votre écran. Richard, tout au long de la soirée, parce que ce ne sera pas juste un co-animateur, tu vas être comme un peu mon analyste et tu vas lire des commentaires, les messages live que les gens vont nous envoyer. Alors ça, là, ça s'appelle vraiment ce soir un gala interactif. Avant de commencer, j'aimerais te donner la parole, mon cher Richard, pour que tu nous parles de l'importance de cette mouture Excellence 2019-2020, si tu veux bien. Merci, Manuel. Effectivement, tantôt, tu le disais, situation particulière qui nous force à nous adapter. Et moi, je dois dire que je suis très fier de l'équipe de la Chambre de commerce qui a réussi à s'adapter puis à nous présenter un gala parce que pour eux, c'était clair que ça prenait un gala. Il n'y avait pas aucune raison d'annuler ce gala-là. On dit souvent que c'est dans la tempête et en eau trouble qu'on reconnaît les vrais capitaines. Stéphanie Brodeur, merci à toi et ton équipe d'avoir su vous tourner de bord puis de nous livrer ce gala-là dans une nouvelle forme. Tu nous permets d'amener le navire à bon port. Je me souviens, 12 mars, on était ensemble. Hey, on était sur la même scène. On était sur la même scène et c'est cet après-midi-là qu'ils ont annoncé que les rassemblements de 250 personnes et plus étaient maintenant prohibés. Cette soirée-là, on dévoilait nos finalistes. Par la suite, tout a déboulé. Hein? C'était le choc pour tous, partout. La Chambre aurait pu dire « on attend, on reporte ». Non. Il fallait tenir ce gala-là. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre hommage aux entreprises de notre territoire. On a de belles entreprises et vous allez le voir ce soir, ces entreprises-là permettent un rayonnement de tout notre territoire. Vous allez voir ça puis vous allez dire, « Ah, wow! On a de telles entreprises sur notre territoire. » Effectivement, je vous souhaite donc à tous finalistes une belle soirée et on a hâte de découvrir nos gagnants. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être avec moi, Richard. C'est hyper apprécié. Je vous le rappelle, Richard va jouer le rôle à la fois de co-animateur et également le rôle d'analyste, comme sur la passerelle au hockey. Vous savez qu'il y a plusieurs acteurs qui ont joué un rôle également de premier plan au sein de ce concours, mais malheureusement, ce soir, ils ne peuvent pas être avec nous sur le plateau. Par mesure de sécurité, vous aurez compris. Cependant, ils tenaient tout de même à vous faire parvenir leur message. Alors, tout d'abord, dans l'ordre, la CCIRS a pu compter sur des ambassadeurs dévoués et impliqués qui sont fiers de faire la promotion des modèles de réussite en affaires de notre région puis également contribuer au rayonnement de celle-ci. Alors, pour vous parler du rôle des ambassadeurs de l'excellence, voici M. Bernard Grandmont, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton et président des ambassadeurs de l'excellence. Bonsoir à tous. En cette période de crise, je salue la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud d'avoir fait preuve de créativité afin de réussir à produire un gala pour honorer nos entrepreneurs d'ici. Vous savez, les occasions sont déjà peu fréquentes de reconnaître publiquement le succès, le talent et le sens de l'innovation de nos entreprises et de nos entrepreneurs de la Rive-Sud. De ce fait, il est d'autant plus important, en ces temps plus difficiles, de donner un élan positif à nos entrepreneurs. Au fil des ans, tous les entrepreneurs qui y ont participé m'ont mentionné que cela avait eu un effet mobilisateur sur leur personnel, davantage de notoriété sur le marché et une source d'inspiration à continuer à progresser. Maintenant, un mot sur le rôle des ambassadeurs. En fait, j'ai le privilège d'assurer la présidence de ce prestigieux club constitué de gens talentueux et qui ont toujours fait preuve de leadership, d'une part dans leur entreprise et d'autre part par leur implication dans le développement économique de la Rive-Sud. Leur rôle est de sensibiliser et d'inciter nos PME à participer aux activités de la Chambre
et par le fait même de participer au prix de l'excellence. À cet effet, nous avons également comme responsabilité d'épauler nos parrains dans leur démarche de sollicitation auprès des PME. En terminant, je profite de l'occasion pour féliciter la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, qui a toujours su se renouveler, surtout cette année, qui fait de ce gala un événement de grande notoriété et qui permet de mettre en valeur la vitalité et le dynamisme de nos entrepreneurs d'ici. Bravo à Stéphanie et toute son équipe et meilleure des chances à tous les finalistes de ce soir. Merci et bon gala. Merci beaucoup à M. Grandmont et à tous les ambassadeurs de cette année pour votre implication. Vous savez, les parrains de l'excellence ont aussi un rôle incontournable auprès de nos entreprises participantes au concours des prix Excellence. Ils ont, entre autres, le mandat d'accompagner les entreprises tout au long du processus du cahier de candidature jusqu'au gala. Alors, voici maintenant M. Stéphane Ouellet, directeur de compte marché commercial et industriel chez Desjardins Entreprises Rive-Sud, qui agit à titre de président des parrains cette année. On l'écoute. Bonsoir à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce 36e gala Dominique Rollin, qui a pour but de souligner l'excellence de nos entrepreneurs de la Rive-Sud. Je me présente, Stéphane Ouellet, président du comité des parrains et des marraines de ce gala. C'est un privilège, c'est un énorme privilège pour moi d'être ici ce soir, représenter mes collègues parrains et marraines qui ont aidé les entrepreneurs à déposer leur candidature pour ce gala. En ces temps difficiles, difficiles pour tous, il est important de souligner le dynamisme incroyable et l'inventivité sans limite de nos entrepreneurs. Il est surtout important de reconnaître leur détermination inébranlable qui mérite notre respect. Ce gala a pour but de souligner leurs qualités, leurs efforts et leurs succès. Prenons une pause pour célébrer leur réussite d'une diversité de talents absolument énorme. C'est pourquoi nous avons plus de 12 catégories qui démontrent cette diversité de talents. Petit coup de chapeau à la direction de la Chambre pour présenter ce gala dans des circonstances comme il est. Elle démontre son imagination comme les entrepreneurs qu'elle représente. Il est important de souligner les efforts et l'implication de mes collègues pour avoir convaincu et accompagné les entrepreneurs dans leur mise en candidature. Vous pourrez d'ailleurs, après mon intervention, voir ces collègues que j'apprécie énormément. Je vous en remercie. Je vous invite à découvrir ce soir des machines à idées, de grandes étoiles dans le firmament de la Rive-Sud. Ce gala, c'est votre gala. C'est surtout une grosse dose d'amour et de respect envers les entrepreneurs, leurs familles et leurs équipes. Alors, je vous souhaite bon gala, bonne santé et surtout, on se revoit l'an prochain. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. D'ailleurs, merci à tous les parrains de l'excellence 2019-2020. Vous savez que votre dévouement et votre détermination à aider nos entreprises a fait cette année une réussite, encore une fois d'ailleurs. Afin de faire le choix maintenant parmi les centaines de candidatures reçues chaque année pour le prestigieux concours des prix Excellence, on a besoin d'un jury, vous comprendrez, mais pas n'importe quel jury. Un jury solide, un jury compétent, un jury indépendant qui est composé de gens venant du milieu des affaires. Alors, pour vous parler de leur importance, je laisse la parole à Maître Jean-Jacques Rainville, associé principal chez Dunton Rainville, que nous sommes fiers d'avoir à titre de président du jury, et ce, pour une troisième année consécutive. Présider le jury, c'est un travail immense, mais c'est un travail avec toute une équipe. Une équipe dévouée, des bénévoles, des gens de cœur, des gens qui s'impliquent, parce que nos finalistes, c'est des gens d'exception. Ce sont des entrepreneurs d'exception qui représentent toute la communauté des entrepreneurs, des gens qui ont investi, des gens qui ont fait en sorte de faire travailler des équipes, créer des projets, innover. Et on le voit, l'importance de nos entrepreneurs aujourd'hui encore plus que jamais. Alors, choisir parmi les finalistes, c'est très difficile, parce que tous ces gens méritent de gagner, pour toutes sortes de raisons.
Alors, l'analyse du jury est un travail important. C'est un travail difficile, mais il faut choisir, et c'est ce que nous avons fait. Merci et bravo à tous d'avoir participé. Et encore une fois, félicitations à tous nos finalistes. Et je passerai la parole maintenant à Isabelle Lemieux, du cabinet de Mersbonde, qui est la vérificatrice qui s'est occupée de suivre tout le processus. Merci Isabelle, et à toi la parole. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Et on accueille effectivement Isabelle Lemieux, la vérificatrice, que j'applaudis discrètement. Des petits applaudissements de golf, Richard. Bonjour, Isabelle. Bonjour, de maître oblige. Je te remets les enveloppes annuelles. Bien oui, mon Dieu, et les enveloppes et la distanciation sociale. Merci de votre travail. Alors, merci et bon gala à tous. Bien, bon gala à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir en coup de vent comme ça. Ah, on les a, hein, les enveloppes des gagnants. Attention. Alors, Isabelle de chez Demers-Bonde, merci d'avoir pris le mandat d'assurer la rigueur et la confidentialité, dis-je bien, de ce concours. Bon, Richard, beaucoup de vidéos, beaucoup d'explications, de préparation, des mots importants. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Et je regarde les commentaires que je reçois. Les gens sont prêts et ils disent bravo pour notre gala puis de tenir le gala. Je voulais le souligner d'un commentaire que j'ai eu. Donc, moi, je suis prêt. Est-ce que nos finalistes sont prêts? Est-ce que nos finalistes sont prêts? On dirait bien que tout le monde est prêt, hein? Tout le monde est prêt. Alors, écoutez, on y va. Je vous rappelle, même qu'une fois votre catégorie dévoilée, les finalistes, vous devez rester avec nous, car on a deux prix spéciaux qui seront octroyés parmi tous les finalistes, soit le prix coup de cœur et le prix développement durable. Aussi, ça c'est important, parmi tous les lauréats de la soirée, on va nommer à la toute fin du gala l'entreprise de l'année. Alors, évidemment, vous restez avec nous jusqu'à la fin. Donc, si vous le voulez bien, c'est avec plaisir et beaucoup de fébrilité que nous pouvons débuter le couronnement des lauréats du concours des prix Excellence 2019-2020 de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Mesdames, Messieurs, c'est parti! Yes! Alors, attention, on y va maintenant dans la première catégorie. Alors donc, quelle meilleure façon, j'allais vous dire ça en partant, que de lancer notre gala des prix Excellence dans une nouvelle version que de commencer avec la catégorie « Nouvelle entreprise ». Alors donc, cette catégorie est présentée par Raymond Chabot de Grant Thornton et j'invite Mme Guylaine Dionne, associée certification, à présenter la catégorie. C'est parti. Bonsoir. Notre firme est impliquée depuis plusieurs années au Gala d'excellence à titre de partenaire et nous sommes toujours impressionnés par la qualité des candidatures et l'année 2020 ne fait pas exception. Je crois et j'encourage le développement de l'entrepreneuriat. Et c'est donc avec un grand plaisir que je vous présente les finalistes dans la catégorie « Nouvelle entreprise ». Groupe Civilia est au cœur de la transformation de la mobilité urbaine en fournissant aux villes et sociétés de transport les outils technologiques et l'expertise pour une mobilité citoyenne plus fluide et efficiente. La combinaison des solutions proposées aux villes intelligentes et aux sociétés de transport permet d'offrir aux gestionnaires des solutions à haute valeur ajoutée en transformant la technologie d'outils d'appui en un atout stratégique et dynamique. Groupe Civilia est parrainé par Geneviève Brossois et Hélène Nathalie Lamontagne de Deloitte. Rivium est un cabinet multidisciplinaire de 70 employés, dont 32 avocats répartis dans la grande région métropolitaine. Représentant de nombreuses PME, grandes entreprises, municipalités et particuliers, Trivium exerce le droit autrement grâce à des programmes innovants. Par exemple, afin de faciliter l'accès à la justice, le cabinet propose à ses clients de fixer ses frais au préalable et leur offre même de prendre une entente de remboursement avec Accordé de Desjardins, une exclusivité Trivium. Trivium Avocat est parrainé par Stéphanie Villot de Capital Conseil. Nabupro a pour mission d'accompagner les entreprises dans la gestion de la conformité afin d'offrir la tranquillité d'esprit aux gestionnaires modernes. Son approche simple, efficace et personnalisée se matérialise à travers une plateforme numérique de gestion des formations, des communications et des documents pour les employés. Nabupro Soutien a pour objectif de desservir les diverses industries avec des besoins de formation continue et de suivi de la conformité. Nabupro est parrainé par Marie-Pierre Bergeron de Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Et maintenant, nous revenons en studio pour le dévoilement du gagnant. Et le gagnant de la nouvelle, de la catégorie Nouvelle entreprise, hein, attention, hein, j'ouvre l'enveloppe. Premier prix qu'on remet virtuellement sur un gala au départ présentiel, Nabupro, bravo! Parrainé par Marie-Pierre Bergeron de chez Dell.
Et on va aller rejoindre notre gagnant, en fait, le représentant de la commune. Bonsoir! Bonsoir! Félicitations! Est-ce que vous vous attendiez à gagner? Non! Merci! Vous êtes combien en ce moment à regarder le gala? 360. Montrez-nous ça! Êtes-vous capable de tourner le... Oh, mon Dieu! C'est extraordinaire! Bon, ça, c'est on la magie. Pour vous hey, je vous laisse la parole quelques secondes. Si vous voulez faire des remerciements, allez-y, on vous écoute. Hey, tout d'abord, merci à la Chambre de commerce, les industries de la Rive-Sud. C'était un honneur pour nous d'être ici présents devant vous tous. Merci aussi au Dell qui nous accompagne depuis très, très longtemps. Surtout, un gros merci à notre marraine Marie-Pierre. Je tiens à remercier mon associé Arnaud. Vive les vidéoconférences du salon. Puis merci pour ce bel honneur que l'on nous fait. Merci aussi à Tim, notre partenaire ici. Et je veux aussi remercier toute ma famille parce que c'est un projet qui était un projet de 2 semaines qui est rendu 5 ans plus tard. Ma conjointe me supporte depuis le début. Fait que gros merci. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations, entreprise Nabupro, mesdames, messieurs. Bravo, bravo, bravo. Applaudissements. Richard, parce qu'on a dit que tu allais être analyste, donc tu as des petits faits saillants sur chaque compagnie. Yes. Manuel, on m'a chuchoté que cette entreprise-là vient d'un rêve, le rêve de devenir astronaute, qui s'est transformé en rêve de devenir pilote. Hein? Et une entreprise, ça prend un rêve à la base, c'est celui-là. Mais une entreprise démarre par un rêve, mon cher Richard. Dis-moi donc, tu as déjà des commentaires? Oui, il y a plein de commentaires qui sont rentrés. Pour l'instant, on a une félicitation de la part de Sylvain Desauniers, qui félicite Nabupro. Et on a plein de commentaires sur notre gala. Donc, ah oui? OK, oui. Pas notre look, notre gala. Notre gala. OK, OK. Ben, et puis, sont-ils positifs? Très positif. Je trouve le concert super. Bravo aux organisateurs. Bravo à Stéphanie. C'est le seul gala que je connais qui n'a pas été annulé dans les circonstances. Bon. Plein de beaux commentaires comme ça. C'est clair. La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, c'est une pionnière. C'est merveilleux. Alors donc, on va poursuivre, si vous voulez bien, dans la prochaine catégorie remise de prix avec la catégorie commerce de détail. Elle est présentée par la Capitale Assurance. Et je vous présente M. Christian Vanasse, directeur principal assurance des entreprises, qui nous présente la catégorie et les finalistes. Je suis très heureux aujourd'hui, au nom de la Capitale Assurance des entreprises, de présenter les finalistes dans la catégorie commerce de détail. Opérant en commerce de détail aujourd'hui demande de nombreuses qualités, tant au niveau technologique qu'au niveau de l'expérience client. Si la situation particulière que nous vivons a fragilisé certaines entreprises, elle nous a aussi fait voir l'importance cruciale que le commerce de détail représente pour l'économie et aussi pour le bien-être des gens. Il fallait voir l'engouement de la population à la réouverture des commerces il n'y a pas si longtemps. Important pour nous aussi à la capitale, le commerce de détail est essentiel pour procéder au remplacement des biens de nos assurés suite à un sinistre. En ce temps particulier, nous saluons la résilience des entreprises d'ici et nous vous assurons que la capitale sera particulièrement là pour continuer d'encourager l'achat local. Sans plus attendre, voici les finalistes de la catégorie commerce de détail. Cycle-Néron est une entreprise familiale qui exploite une chaîne de magasins de vélos dans le Grand Montréal. Cette entreprise, lancée en 1970 dans le Pro Shop de l'aréna Michel Normandin de Brossard, n'a jamais cessé de se développer. 50 ans et 3 générations plus tard, Cycle-Néron opère désormais 5 succursales et offre une des plus grandes sélections de vélos et d'accessoires au Québec. Cycle-Néron est parrainé par Julien Lafleur de la Banque de Montréal et Mélissa G. Duchesneau de BDC. La Boîte à vin est une épicerie fine qui promeut l'achat local. Privilégiant les petits producteurs québécois qui ne sont pas représentés à la SAQ, La Boîte à vin parvient à offrir des produits exclusifs, créés par des vignerons passionnés. Membre du Conseil des vins du Québec, La Boîte à vin est ancrée dans la tradition du terroir, mais aussi la modernité avec la vente en ligne et la livraison gratuite à domicile. La Boîte à vin est parrainée par Jean-Christophe Dulude de BMO. Alimentée par une passion pour le bien-être, les Coconuts fait sa place dans les produits de soins naturels avec un déodorant de qualité supérieure qui sait charmer les familles et les sportifs. Forte de ses valeurs éco-responsables, l'entreprise répond à cet engouement en créant une gamme de produits corporels innovants et unisexes. En constante évolution depuis 6 ans, les Coconuts travaillent sans relâche afin de combler les besoins de sa clientèle grandissante. Boutique Les Coconuts est parrainée par Isabelle Dupol de KPMG.
De retour en studio, Manu ouvre l'enveloppe pour découvrir le grand gagnant. Et Manu va ouvrir l'enveloppe avec un grand plaisir pour découvrir le grand gagnant de la catégorie commerce de détail. Attention, j'ai l'enveloppe ici. Ils sont faciles à ouvrir en plus, c'est ça qui est le fun. Cycle Néron, bravo! L'entreprise Cycle Néron, d'ailleurs, je vous le mentionne, est parrainée par Julien Lafleur de la Banque de Montréal et Mélissa G. Duchesneau de la BDC. Et on va aller, bravo! Hey, félicitations! Merci, merci! Comment vous sentez-vous? Ah, c'est cool. Moi, c'est un super beau cadeau. C'est notre 50e saison. Fait qu'on est super contents. Ça fait comment de recevoir un prix, mais via... Est-ce que vous nous écoutez web ou télévision? Vous êtes sur le web? Je suis sur le web, oui. OK. Et ça fait comment de recevoir un prix sur le web ou via la télé ou, versus avoir été en salle normalement? Ah, c'est différent. Je me sens observée, mais bon, c'est différent. Je vous le confirme, on vous observe. On est plusieurs milliers, d'ailleurs. Vous avez peut-être des remerciements à faire. Je vous cède la parole maintenant. Parfait, merci. Bien, je vais commencer par remercier ma famille, mon équipe qui a travaillé vraiment très fort dans les derniers mois pour s'adapter aux situations actuelles. Je voulais aussi prendre le temps de remercier Julien Lafleur de la BMO qui nous a vraiment encouragés à mettre notre candidature pour ce gala-là. Je voulais remercier la Chambre de commerce, bien évidemment. Puis un remerciement spécial à mon père puis mon oncle qui m'ont toujours montré c'était quoi l'excellence en tant que telle, qui me donne envie de... reprendre l'entreprise familiale. Fait que oui, je remercie tout le monde. Félicitations encore une fois. Hey, passez une belle soirée. Là, vous pouvez relaxer un peu. Prenez un verre à notre santé ou prenez-en deux, le nombre que vous voulez, OK? C'est bon, merci. Salut, bonne soirée. Et notre analyste sur la passerelle a sûrement des statistiques sur Cycle Néron. Certainement. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens prêchent par l'exemple. Et c'est exactement ce que Cycle Néron fait parce qu'au cours des 9 dernières années, Cycle Néron a été impliqué activement dans le grand défi Pierre Lavoie, comme support mécanique, puis avec des équipes qui faisaient le 1000 km. Bravo. Bravo. Puis en temps de pandémie, là, et même après, là, les vélos, c'est quelque chose qui est vraiment en demande. Hein? C'est clairement en demande. J'irai pas dans les commentaires en détail avec Richard, mais juste vous dire que ça me dérange pas, je suis pas jaloux, je te le laisse, mais ça a l'air que monsieur aurait reçu un commentaire. Richard, tu es beau, tu es bien habillé? C'est un gala de très haute qualité. Ah, OK. Et t'es pas mal beau. Bon, mais écoute, prends-le, ça te revient, Richard. Je serai patient pour la suite. Maintenant, attention, mesdames, messieurs. Vous saviez que pour un entrepreneur, son entreprise, c'est le projet d'une vie. C'est notre bébé, c'est son bébé. Alors, quand vient le temps de remettre les rênes de l'entreprise à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. Mais le défi, sachez-le, est tout aussi grand pour les nouveaux propriétaires qui ont acheté parce qu'ils doivent poursuivre sur cette belle lancée. Et notre prochaine catégorie leur est justement dédiée. Troisième catégorie s'appelle relève et transfert d'entreprise. Elle est présentée par BJC Comptable. Et j'invite M. Christian Gem, associé chez BJC, à venir nous présenter la catégorie ainsi que les finalistes. C'est parti. Bonsoir à vous tous. C'est avec un immense plaisir que BJC s'est associé à la remise du prix dans la catégorie relève et transfert d'entreprise. La relève et le transfert d'entreprise sont remplis de défis qui sont plus stimulants les uns que les autres pour les releveurs, les cédants ainsi que leurs conseillers. Il s'agit également d'un des projets les plus importants dans la vie d'un entrepreneur. Félicitations à toutes les entreprises ayant soumis leur candidature pour cette belle réalisation. Voici donc nos finalistes de la catégorie relève et transfert d'entreprise. Infrastructel est une firme de génie conseil et de services techniques multidisciplinaires de premier plan au Québec. Créée en 1997, l'entreprise familiale compte sur une équipe de plus de 200 personnes dans les secteurs des infrastructures urbaines, des télécommunications, du bâtiment et de l'urbanisme. Elle mise sur la collaboration, l'adaptabilité et le professionnalisme afin de réaliser les mandats qui lui sont confiés. Infrastructel, c'est l'ingéniosité au service des collectivités. Infrastructel est parrainé par Martin Fontaine de PwC et Benoît Anctil de Terrien Couture Jolicoeur. Personne n'est à l'abri d'un sinistre. La priorité de Steamatic Rive-Sud est donc d'intervenir rapidement pour rendre les lieux habitables, sains et chaleureux à nouveau. Le personnel dévoué de Steamatic Rive-Sud est essentiel dans la satisfaction de la clientèle et la renommée de l'entreprise. En utilisant les plus récentes technologies combinées à des techniques éprouvées, Steamatic Rive-Sud offre des services de nettoyage et reconstruction de très haute qualité. Steamatic Rive-Sud est parrainé par Catalina Botero de Banque TD et Mario Tremblay d'Investissement Québec. Aquatech BM est chef de file dans la fabrication de lave-bouteilles multifonctions. L'entreprise offre une gamme de produits fiables et polyvalents de haute performance adoptés par une multitude d'entreprises d'embouteillage spécialisées.
Leurs lave-bouteilles sont conçues pour limiter l'utilisation d'eau au minimum, tout en obtenant un résultat optimal. Aquatech BM distribue ses produits dans plus de 80 pays, partout dans le monde. Aquatech BM est parrainé par Isabelle Fischer, de Développement économique de l'agglomération de Longueuil, et Julie Germain, d'Exportation et Développement Canada. J'invite maintenant Manuel à nous annoncer le lauréat. Non, mais il y en a-tu du monde qui m'invite à annoncer des lauréats? C'est merveilleux. Alors, voici le gagnant de la catégorie relève et transfert d'entreprise. Et j'ai nommé la compagnie Aquatech BM. Bravo, Aquatech BM, qui est parrainée par Isabelle Fischer de chez Dell et Julie Germain d'Exportation et Développement Canada. Bravo, on a un représentant de l'entreprise. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir votre nom? Félix Bégin. Hey Félix, t'as dit d'abord toutes nos félicitations. Est-ce que vous êtes heureux, si ça se pose comme question? Oui, vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça, pour être sincère. Je suis surpris. Merci beaucoup. Si vous avez un mot adressé à tous ceux à qui vous voulez parler, ben on vous écoute maintenant. Je veux vraiment remercier tout le monde. Premièrement, la Chambre de commerce, le Dell. L'incubateur, l'accélérateur, j'ai vraiment été chanceux, j'ai vraiment été suivi par des gens qui m'ont motivé, qui m'ont appris des choses, qui m'ont fait avancer plus vite, m'ont fait éviter de faire des erreurs et m'ont fait vraiment grandir, dont Isabelle Fischer, Stéphane Falécaire, Julie Germain, ça c'est de EDC, Marie-Hélène Beaudoin du Dell, Marie-Pierre Bergeron du Dell également, Serge Laporte, Yves-Laurent Turcotte, Guy Gervais, et Renaud Ponton de BDC qui a cru en moi là, dès le départ lorsque c'était le temps de l'acquisition de la compagnie. Puis tous les gens qui ont cru en moi puis qui ont toujours voulu du bien de l'entreprise, merci, c'est vraiment, vraiment apprécié puis ça fait chaud au cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bien, écoutez, célébrez, profitez de votre soirée. Restez avec nous, par exemple, il y a des prix à la fin. Hein? Alors, ça pourrait vous concerner. Bravo. Richard, statistique. Aquatech, hein, ça m'amène à parler du dynamisme de notre région. Aquatech a profité du programme d'accélérateur d'entreprise de Dell. Ça a permis de faire passer ses exportations de 60 à 90 %. Et là, il y a des clients dans 13 pays différents. Bravo! Hey, c'est merveilleux. C'est mondial, hein? International, mondial. C'est extraordinaire de voir des entreprises qui grandissent, des entreprises de chez nous qui s'exportent partout. Bravo! Et oui, oh! Je me permets... Petit commentaire parce qu'on a Julie Etier chez Dell qui dit bravo à Aquatech, merci de faire confiance à Dell. Merci Dell, un bon partenaire sur la Rive-Sud. Vous? C'est ça un gala interactif, c'est extraordinaire. Continuez à envoyer vos commentaires, questions. Richard est là pour vous, à votre service. Vous savez que les entreprises en lice pour le prochain prix Excellence ont réussi à se bâtir une solide réputation. Et d'ailleurs, pour ça, je leur lève mon chapeau. En fait, je devrais plutôt dire, je leur lève mon casque. J'ai bien dit mon casque et non pas mon casse. La prochaine catégorie est entrepreneur et métier de la construction, présentée par Lowe's Canada et Mme Cathy Deneau, vice-présidente divisionnaire partenaire d'affaires en ressources humaines pour les magasins Lowe's du Canada. Et des nôtres pour vous présenter cette prochaine catégorie. On l'écoute. Bonsoir. Cette année, nous soulignons le travail remarquable des entrepreneurs de notre région dans des circonstances vraiment exceptionnelles. Au cours des derniers mois, ils ont dû relever des défis de taille et s'adapter rapidement pour continuer de servir leurs clients et assurer la poursuite de leurs opérations. Plus que jamais, il est important de célébrer les accomplissements des femmes et des hommes qui portent celles-ci à bout de bras. En tant que détaillants du secteur de la construction et de la rénovation, nous sommes fiers de voir la résilience dont a fait preuve notre industrie au cours des derniers mois. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui les finalistes de la catégorie entrepreneur et métier de la construction. C'est par la qualité de ses travaux, l'innovation et l'expérience client que Martineau Coffrage se démarque de la concurrence. Qu'il s'agisse d'un coffrage conventionnel ou d'une construction multi-étage, chaque projet est réalisé avec le même souci du détail. La collaboration et l'engagement, au cœur des valeurs fondamentales de l'entreprise, font de Martineau Coffrage un joueur d'équipe sur qui l'on peut toujours compter. Martineau Coffrage est parrainé par Ariane Dubé de FTQ, Fonds régionaux de solidarité, et Simon Couturier de Banque TD. Fondée en 1987, Maçonnerie GY est une entreprise familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie en hauteur pour des projets résidentiels, commerciaux et industriels d'envergure. Cette entreprise se distingue par leur sens de l'innovation et la qualité de leurs travaux.
Leur mission est de travailler en équipe et comme partenaire d'affaires afin de réaliser des projets surpassant les attentes de leurs clients, et ce, dans le plus grand respect des valeurs de l'entreprise. Maçonnerie GY est parrainée par Vincent Gobeil de RBC. Bisson Expert est une entreprise de construction spécialisée qui offre un éventail complet de solutions aux problèmes de fondation. Du diagnostic initial jusqu'aux travaux de grande qualité couverts par la meilleure garantie de l'industrie. Compétence, intégrité, travail d'équipe et plaisir font partie intégrante des valeurs de l'entreprise. Et avec 16 000 clients servis dans le respect et le souci de la satisfaction, Bisson Expert est définitivement fondé sur la confiance. Bisson Expert en fondation est parrainé par Alexandre Beaudoin de BMO. Au nom de mes collègues chez L'Once Canada, j'aimerais féliciter tous les finalistes. Et attention, le grand gagnant de la catégorie Entrepreneur et métiers de la construction est... On ouvre l'enveloppe. Attention, il s'agit de Bisson Expert. Bravo à Bisson Expert! Je vous rappelle que l'entreprise est parrainée par Alexandre Beaudoin de la BMO. Et on a un heureux gagnant à l'écran. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ortubise. Bonsoir, on peut avoir votre nom? Raymond Bisson. Monsieur Bisson, félicitations. Moi, je connais votre entreprise en plus, ça donnait de même. Je sais que vous travaillez fort, vous méritez amplement ce prix-là, puis on veut vous laisser faire vos remerciements. Bravo, bravo. Merci. Oui, en tant que président, j'ai l'entreprise de 65 ans, puis ma plus belle réalisation, j'ai pas 65 ans, moi, mais l'entreprise, et la plus belle réalisation, c'est vraiment d'avoir créé un Dream Team, une équipe extraordinaire qui m'entoure et des gens compétents, dévoués, dédiés. Et puis ce trophée, quand je vais l'avoir, c'est à eux que je veux le remettre. C'est vraiment eux qui le méritent. Et je veux remercier mon parrain, Alexandre Beaudoin de la BMO, ma conjointe et ma fille pour leur grand talent de rédaction et de mise en page de ce grand document qui est la mise en candidature. Et je veux aussi remercier, je ne veux pas oublier mes parents, notamment mon père, qui est le fondateur de l'entreprise, qui a fondé en 1955. Et puis, c'est encore sa passion et son amour du travail qui est transmis aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, merci à Roger, mon père, mon équipe et bien sûr la Chambre de commerce. Merci. Bien, félicitations à vous. Je suis sûr que votre père nous entend également. Il doit écouter ça avec plaisir. Alors, écoutez, oui. Bravo. Puis profitez de votre soirée. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. On va aller voir Richard parce que tu as sûrement une statistique sur Bisson. Certainement. M. Bisson l'a dévoilé. Hein, depuis 1955, cette entreprise-là est en opération. Et aujourd'hui, elle compte plus de 100 employés. Je suis certain que sur la Rive-Sud, vous avez déjà vu leur camion Bisson Expert. Bravo. Oui, puis il a parlé d'une équipe de rêve qui a réussi à bâtir ces 100 personnes-là. Est-ce que tu as des commentaires, Richard? Les commentaires rentrent. On a Jean Ellison qui dit bravo à toute la gang de Bisson, une vraie équipe. Hein, on a plusieurs remerciements encore pour le gala. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est à l'image de la chambre, c'est dynamique. Il y a juste des compliments, c'est extraordinaire. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous. Continuez à nous envoyer vos questions, commentaires. On va essayer d'en lire le plus possible. On poursuit sans tarder avec notre cinquième catégorie. Bon, on avait pensé pour la présentation de celle-là, faire quelque chose de bien moderne, tu sais, de quelque chose de techno avec des lumières. Puis toutes sortes de... Mais finalement, on s'est dit qu'on n'était pas du tout à la hauteur des finalistes de la prochaine catégorie. Alors, vous aurez deviné, elle s'appelle Innovation et technologie. Elle est présentée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et M. Martin Labonté, directeur régional à la Direction régionale de la Montérégie, est parmi nous ce soir pour nous présenter la catégorie et les finalistes. Bonsoir. Le ministère Économie et Innovation est très heureux d'être associé à la catégorie Innovation et technologie. Avant de présenter les finalistes, je tiens à féliciter l'ensemble des entreprises qui ont participé au gala ainsi qu'à toutes les finalistes dans toutes les catégories. Maintenant, allons voir les finalistes. Service technologique AMD est le fruit de plusieurs années de passion pour les drones, les technologies de l'information et le multimédia. Qu'il s'agisse de modélisation, cartographie 3D pour l'industrie 4.0, de l'imagerie aérienne pour le cinéma, la télévision et la publicité, de la captation pour l'événementiel et le sport professionnel, de la sécurité publique ou des services conseils, l'expertise de Stand permet de propulser les entreprises vers de nouveaux sommets. Service technologique AND est parrainé par Joanne Anger, de développement économique de l'agglomération d'Longueuil.
Dice Design développe des composants destinés au cœur des imprimantes 3D. L'entreprise permet à ses clients de fabriquer les outils et les objets dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin. L'entreprise met au point des produits qui améliorent la fiabilité, la convivialité et les matériaux disponibles pour les imprimantes 3D. Dice Design fournit des systèmes d'extrusion pour ce type d'imprimante partout à travers le monde. Dice Design est parrainé par Joanne Anger, le développement économique de l'agglomération de Longueuil. Manuel, à toi l'honneur. Et le lauréat de la catégorie Innovation et technologie est... Ouverture de l'enveloppe. Dice Design, bravo! Dice Design parrainé par Joanne Anger de chez Dell. Alors, écoutez, félicitations à ces gagnants qu'on va rejoindre. On a quelqu'un d'heureux là, qui est devant nous. Bonsoir, ça va bien? Oui, très bien vous-même, merci. C'est toujours agréable de recevoir un prix. Tu sais, un gala, vous le savez, d'habitude, les gens sont dans la salle. Nous, on l'écoute à la télévision quand ça arrive au Québec, il y en a plusieurs. Mais là, c'est le fun, un gala interactif, parce que vous vous écoutez et vous gagnez un prix en direct. Comment vous vous sentez? Bien, moi, il faut comprendre, j'ai un peu le trac devant les foules. Fait que j'aime vraiment ça que ça soit à distance parce que je ne sais pas combien de personnes m'écoutent. Fait que ça m'aide quand même à baisser ma nervosité. On vous le dira pas, il y a combien de personnes qui vous écoutent, OK? On va garder ça entre nous. Je vous laisse faire vos remerciements. Vous avez sûrement des mots adressés à certaines personnes. Je m'excuse. Pouvez-vous répéter la question? J'ai pas compris. Mon micro a coupé. Je vous en prie. Je voulais simplement faire vos remerciements. Allez-y, on vous écoute. Ah oui, bien évidemment, je suis peut-être le président, c'est moi qui est présent aujourd'hui pour représenter tout le monde, mais c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai des gens extraordinaires autour de moi qui travaillent d'arrache-pied pour faire des inventions assez technologiques qui nous permettent d'être exportés partout à travers le monde. Dans les technologies, souvent, on se fait dire c'est quoi ta patente à gosse, puis c'est pas facile souvent de présenter. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont créé. Qui ont cru en nous, que ce soit les partenaires financiers, ceux qui nous ont offert du coaching, nos aviseurs. Vous vous connaissez, vous êtes nombreux. Donc, du fond du cœur, merci beaucoup d'avoir cru en nous pour continuer ce projet fou. Félicitations à vous, puis vous faites des sacrées belles patentes à gosse, comme vous dites. Passez une très belle soirée. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. On a une statistique sur cette autre entreprise que tu connais par cœur, évidemment, Richard. Être entrepreneur, c'est savoir s'adapter. Et mes informateurs m'ont dit que pendant la crise, Dice Design s'est adapté et avec deux de ses partenaires, sont mis à fabriquer des masques, des visières, des adaptateurs pour respirateurs artificiels, des respirateurs de fortune et tout autre. Merci de vous être impliqué pendant cette crise. Et comme tu disais en ouverture d'émission, c'est pendant les crises qu'on voit qui sont les vrais capitaines de bateau. Ils sont capables de corriger le tir puis de continuer à rouler vers le bon port. Est-ce que tu aimes... je vais faire comme un lien. Bateau, voyage. Aimes-tu ça voyager, Richard? Je te pose ça comme question de même, là. Qui aime pas ça? Parcourir le monde. Pas grand monde. En ce moment, par exemple, c'est difficile quand t'aimes ça, hein, parce que c'est impossible pour tout de suite, mais ça va revenir. Vous savez, on aime ça voyager, aller voir ailleurs dans différents pays. Alors, pour notre prochaine catégorie, les entreprises nominées sont un peu comme nous. Elles aiment bien aller à la découverte de nouvelles frontières. Alors, notre sixième catégorie se nomme Exportation. Elle est présentée par la banque RBC. Et pour ce faire, je cède la parole à Darsène Charles, le directeur principal de compte à la RBC, afin de nous présenter les finalistes de cette catégorie. Alors, bonsoir tout le monde. La RBC, ce soir, est très honorée d'être associée à la catégorie d'entreprises exportatrices de la Rive-Sud. Merci à vous, chers entrepreneurs, pour votre contribution à notre économie locale, mais surtout de permettre au Québec de rayonner à l'international. Sans plus tarder, c'est avec fierté que je vous présente les finalistes de la catégorie exportation. Courtier d'installation participative temporaire, Créos est l'intermédiaire entre les propriétaires, les créateurs d'art public et les diffuseurs en assurant leur déploiement artistique partout dans le monde. Créos, c'est l'art de faire voyager l'art dans les espaces publics. Cette entreprise agit aussi comme expert conseil pour la conception technique et comme gestionnaire de projet. Son portfolio compte plus d'une quinzaine d'installations participatives offrant aux visiteurs des expériences sensorielles et interactives. Créos Expert Conseil est parrainé par Joanne Anger, le développement économique de l'agglomération de Longueuil. Alliance Zone se spécialise en commerce international de produits agroalimentaires. S'approvisionnant principalement au Canada, elle exporte dans le monde entier des céréales, graines et légumineuses de très haute qualité.
L'entreprise offre également des produits conventionnels, biologiques, sans OGM ou sans gluten. Elle collabore directement avec les producteurs agricoles pour répondre aux exigences de ses clients à des prix concurrentiels. Sa philosophie repose sur l'établissement de relations durables et mutuellement bénéfiques avec ses clients. Alliance Zone est parrainée par Jean-Philippe Pépin de Blain-Joyal Charbonneau. Memtronic est spécialisé en électronique imprimée et est un des fabricants de claviers à membrane les plus performants au monde. Précurseur dans l'adoption de nouvelles technologies, l'entreprise détient une usine unique munie d'un système de contrôle de l'environnement ultramoderne qui permet une qualité des plus rares sur le marché. Ces équipements permettent à Memtronic d'être un leader dans un marché des plus compétitifs et ainsi conserver sa production au Québec. Memtronic Innovation est parrainé par Joanne Anger, de développement économique de l'agglomération de Longueuil. Bonne chance à tous. De retour à Manuel pour le dévoilement du grand gagnant. Bonne soirée. Merci beaucoup, Darcène. Alors, le gagnant de la catégorie exportation est... Ouverture officielle de l'enveloppe. Créos Expert Conseil. Bravo! Créos Expert Conseil, je vous rappelle que cette entreprise est parrainée par Joanne Anger de chez Dell. Hey, bonsoir! Félicitations! Bonsoir! Vous, vous avez l'air vraiment heureux. J'aime ça. Et surprise un peu, oui. Un peu sous le choc. Ça se peut-tu? Oui, vraiment, vraiment. On se prépare, mais on est toujours content quand ça arrive. On est toujours content, puis on est toujours comme « Mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je vais oublier? » Allez-y tout de suite avec vos remerciements, on vous écoute. Ben, écoutez, c'est un immense bonheur de recevoir ce prix-là. On récompense l'équipe du travail rigoureux de la gang de passionnés de chez Créos qui sont en arrière dans l'atelier. Aussi, je ne peux pas passer sous silence nos équipes sur la route qui font un travail exceptionnel. My God, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Merci. Vous l'avez vu, nos installations, là, ils font des wow partout. Bien, ces wow-là, on les partage avec les créateurs qui sont derrière ces expériences-là, mais aussi les propriétaires qui nous font confiance pour faire voyager leurs installations, mais aussi nos clients qui ont soif d'animer leur place publique. Ils sont vraiment exceptionnels. Merci tout le monde. Puis j'ose vous faire une petite annonce ce soir, c'est que le retour des places publiques animées, c'est pour bientôt. Créos, on va être là. Ah, on a tellement hâte, Créos, de vous voir. On a tellement hâte d'y aller dans les places publiques animées. Passez une belle fin de soirée. Restez merci. Avec nous, puis bravo pour votre prix. Avant de procéder merci. À la prochaine catégorie, Richard, que on c'est... est suspendu à tes lèvres. Que c'est merveilleux de voir la Rive-Sud rayonner à l'international. Hein, parce que Créos a transformé plus de 150 places publiques dans 5 villes, 11 pays, 4 continents. Bravo et continuez à rayonner. On aime ça, notre territoire est merveilleux. Ah, on leur souhaite de transformer encore des dizaines de places publiques. Merci beaucoup, Charles. Vous savez que depuis plusieurs années, les femmes prennent de plus en plus de place dans le monde des affaires. On le sait. Et il y a de quoi être fier de ça. Évidemment, parce que notre prochaine catégorie met en lumière la crème de ces femmes qui sont une véritable bougie d'allumage dans l'entrepreneuriat de la Rive-Sud. Voici donc la catégorie Étincelle, vous aurez compris le jeu de mots Étincelle, présentée par la BDC, la Table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie. Et pour ce faire, on a deux invités bien spéciales pour vous présenter la prochaine catégorie. Tout d'abord, Mme Hélène Demers, elle est présidente de la Table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie. Elle est accompagnée de Fanny Noël, directrice financement corporatif à la BDC. Et on les écoute tout de suite. Alors, ça me fait plaisir ce soir d'être ici à titre de présidente de la Table d'action en entrepreneuriat, accompagnée de Fanny, pour vous présenter les trois finalistes dans la catégorie Étincelle. Nous apprenions dernièrement par la publication du 11e indice entrepreneurial du Québec que 48 % des entreprises étaient détenues par des femmes de 35 ans et moins. Un grand chemin a été parcouru depuis plusieurs années par le soutien des initiatives qui visent à propulser les femmes entrepreneurs. Alors, je souhaite bonne chance à toutes. Tout ce que vous faites fait la différence tous les jours. Alors, Fanny, je te cède la parole. Merci, Hélène. Tu sais, pour BDC, c'est un plaisir d'être à tes côtés. Tu es à nos yeux une entrepreneur hors pair. C'est un plaisir pour nous de se joindre à la Table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie pour présenter les finalistes du prix Étincelle. Comme il a été mentionné à plusieurs reprises ce soir, nous sommes dans une période unique de notre histoire moderne. Après avoir subi un choc sans précédent, il est maintenant temps à nos entrepreneurs d'être à nouveau créatifs, innovateurs, ainsi que visionnaires. Vous êtes notre espoir économique et votre capacité à déceler les opportunités dans cette nouvelle réalité vous permettra de relever les défis de la relance.
BDC est présent pour vous. Nos réseaux ainsi que nos savoir-faire sont plus que jamais à votre disposition. On dit qu'après la pluie, vient le beau temps. Notre objectif est de voir briller nos entreprises ici. BDC vous invite, chers entrepreneurs, à faire ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire entreprendre. Maintenant, place à nos trois finalistes qui s'illustraient déjà dans leur milieu professionnel. Mais durant la crise, elles se sont réinventées. Elles sont résilientes, courageuses et surtout ingénieuses. Catherine Pinard est présidente et propriétaire de Nationex, la plus importante entreprise de livraison de colis de propriété québécoise avec près de 500 travailleurs. Catherine a su positionner avantageusement l'entreprise afin de relever les nombreux défis de l'heure dans le domaine du transport et la compréhension des enjeux de ses clients pour se démarquer de la concurrence. Œuvrant dans un secteur principalement masculin, Catherine s'intéresse à la condition féminine. Elle encourage les femmes chez Nationex à occuper des postes non conventionnels. Engagée dans sa communauté, elle a créé la Fondation Nationex pour l'enfance et soutient l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal. Catherine Pinard est parrainée par Bilal Zeribi de Banque Scotia. En assumant pleinement le titre de Happy Présidente en 2017, Nathalie Lehoux souhaitait démontrer toute l'importance qu'elle accorde aux ressources humaines et au bonheur au travail. Issue de l'univers de la technologie, des finances et de la restauration, Nathalie compte plus de 30 années d'expérience dans différentes sphères d'affaires. Jusqu'à récemment, elle a évolué au sein du groupe Pacini pendant plus de 18 ans et en a pris la présidence en 2014. Passionnée et d'un dynamisme contagieux, Nathalie est également active au sein de plusieurs associations, conseils d'administration et comités d'affaires, dont le Cercle des présidents du Québec et le programme Leadership au féminin. Nathalie est parrainée par Chantal Leblon d'Investissement Québec et Isabelle Dupol de KPMG. Caroline Lavallée est présidente et stratège en communication chez Catalyst, cabinet conseil en communication. Après une fructueuse carrière en communication en entreprise, Caroline a démarré Catalyst Communication, une entreprise qui aide les PME à atteindre leurs objectifs d'affaires. Active dans plusieurs groupements d'affaires et mentors, elle est également très engagée en philanthropie, notamment comme porte-parole de Cœur plus AVC et coprésidente du Comité pour la recherche sur la santé cardiaque chez les femmes. Caroline encourage les femmes à prendre leur place. D'ailleurs, plus de 60 % des consultants chez Catalyst sont des femmes. Par son engagement exceptionnel, elle est un véritable catalyseur pour l'entrepreneuriat. Caroline Lavallée est parrainée par Nadine El-Sadi de BDC. Je vous l'avais dit, elles sont extraordinaires. Maintenant, qui est la gagnante? Effectivement, Fanny, on a ici trois femmes d'exception et ça n'a pas dû être facile pour le jury de trancher. C'est pas facile d'être membre d'un jury. Donc, la grande gagnante, dis-je bien, de la catégorie étincelle est... Madame Nathalie Lehoux. Bravo à Nathalie Lehoux. Elle est parrainée par Chantal Leblon d'Investissement Québec et Isabelle Dupol de chez KPNG. Cha Nathalie, comme on se retrouve? Ben oui, Manuel, ça me fait plaisir. Félicitations. Bravo. Merci. Moi, je vous connais un petit peu. Ben oui. Écoutez, toutes les femmes en nomination est extraordinaire. Je suis content de vous avoir là live. Comment ça va d'abord? Comment allez-vous? Bien, ça va bien. J'ai vu un très beau moment actuellement, là, vraiment. Je suis très heureuse de cette nomination-là. Vraiment, ça me touche, vraiment. Vous avez su garder le cap dans la tempête, vous avez su vous réinventer, vous avez su travailler, et j'imagine que ça a porté ses fruits. Bien, en fait, je vais surtout continuer parce que je suis à une croisée des chemins, un peu en changement de carrière, alors... Ce prix-là, ce soir, c'est comme une bouffée d'énergie. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Puis, vraiment, j'aimerais ça remercier le jury, la Chambre de commerce, vraiment. Ils ont fait ça comme vraiment des professionnels. On a reçu des beaux prix. Je veux dire un merci spécial à mes marraines de cœur. Je vais les appeler comme ça. Il y a Chantal Leblon d'Investissement Québec et Isabelle Dupol de KPMG. Je veux reconnaître aussi les deux femmes dans ma catégorie. C'est un super beau prix de reconnaissance pour les femmes. Alors, Caroline et Catherine, je vous salue ce soir. Comme je disais, je suis à la croisée des chemins. Oui. Mais j'ai plein de belles pensées pour la suite des choses. Puis, j'ai déjà mentionné dans un gala il y a quelques années, mais c'est un flashback pour moi ce soir parce que
Quand j'étais adolescente, je regardais le gala à la télévision communautaire. Alors, ce soir, on est à l'ère virtuelle, mais on est aussi à l'ère à la télévision communautaire. Et en fait, ce que je rêvais à ce moment-là, un jour, de faire partie de ce genre de gala-là. Et je terminerai ce soir en disant, je salue cette adolescente. Bravo, Nathalie, pour votre prix. Passez une belle soirée. Vous êtes à la croisée des chemins, mais je suis sûr que vous allez prendre la bonne direction encore une fois. C'est assuré. Prenez soin de vous. Tu connais bien Nathalie? Oui, je connais bien Nathalie, mais on apprend toujours hein, quand on se met à questionner le titre de Happy Présidente. Oui. D'où ça vient, ça? Bien, ça, c'est venu d'un sondage confidentiel envoyé à ses collègues et partenaires qui leur posait des questions sur Nathalie. Et ce qui en est ressorti, c'était son côté humain. Bonne humeur, sens de l'écoute, rigueur, organisation. Donc, c'est de là qu'est venu le titre de Happy Président. Puis je pense que c'est vraiment une femme happy dans la vie. Oui. Aussi, moi, je l'ai côtoyée en personne quelques fois. Juste avant qu'on revienne dans les prix, on te compare à Paul Oud dans les questions-commentaires? On m'a comparé à Paul Oud en disant, Richard, tu fais un excellent Paul Oud. Donc, on ne fait pas ça seul, hein, ça nous prend des bons recherchistes aussi. Et plein de commentaires qui rentrent, c'est le fun, j'aime ça voir ça. On a le feedback des gens. On dit, bon, on est fiers de Caroline, on est fiers de Nathalie aussi. Bravo à Nathalie. Donc, Catherine également qui a été mentionnée, c'est merveilleux. C'est juste des commentaires positifs. Merci beaucoup. Continuez à nous en envoyer. Il reste encore quelques minutes extraordinaires à ce beau gala. Il est temps de remettre, par contre, un autre prix bien spécial. Il s'agit de la bourse Elle Jeunesse. Elle est présentée, cette bourse, par Hydro-Québec. Il s'agit d'un nouveau prix qu'on intègre cette année, si vous voulez, au gala des prix Excellence. Alors, cette catégorie vient souligner le potentiel de développement et de croissance de l'entreprise, son unicité, et elle sert également à encourager l'entrepreneur à poursuivre son cheminement. Il y a Jérémy Leroux de Jérémy Leroux-Drukovka, président de l'Aide Jeunesse, qui nous présentera cette mention spéciale. À toi la parole, mon cher Jérémy. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement fier de représenter ce soir notre dynamique Aide Jeunesse de notre super chambre de commerce. La catégorie que je m'apprête à mettre de l'avant ce soir est une toute nouvelle catégorie. La bourse Aide Jeunesse, présentée par Hydro-Québec. C'est d'ailleurs avec grande fierté qu'Hydro-Québec, qui est un vecteur incontournable dans le développement de nos entreprises, puisse présenter cette nouvelle catégorie. L'initiative de la bourse lancée par l'Aile Jeunesse, en collaboration avec Hydro-Québec, tient à mettre en lumière une jeune entreprise de la région de moins de 2 ans, dont l'actionnaire principal est âgé entre 18 et 35 ans. J'ai entendu dire que nous avons reçu plusieurs candidatures, ce qui me fait dire que nous allons revenir avec la bourse l'an prochain. Également, l'entreprise gagnante, ce soir, recevra une bourse de 1 000 $ pour appuyer son développement. Donc, sans plus attendre, le prochain gagnant de la catégorie Bourse Aile Jeunesse présentée par Hydro-Québec est... Lancée en 2015, Arrive est une équipe aguerrie d'ingénieurs et gestionnaires qui accompagne les entreprises dans le virage numérique. Développée dans le cadre d'une maîtrise en gestion de l'innovation à l'ETS, la méthode Arrive est composée de 4 étapes. Analyse, recommandation, implantation et validation. C'est d'ailleurs l'acronyme de ces 4 étapes qui construit le nom de l'entreprise vouée à un avenir très prometteur. C'est une profonde volonté à changer le monde des affaires, une PME à la fois, qui pousse Arrive à offrir à ses clients des solutions concrètes, simples et mesurables. De plus, la mise en place de ces solutions se fait en parallèle aux activités courantes de l'entreprise, de façon fluide et intégrée. Comme le disent les propriétaires de l'entreprise, les solutions arrivent dès qu'on arrive. Alors, félicitations à toute l'équipe de Arrive, premier gagnant de cette bourse Aile Jeunesse. On va aller tout de suite voir la réaction en direct. Bonsoir! Bonsoir, Emmanuel et Richard. Merci beaucoup pour cette soirée très bien animée. Mon Dieu, merci, c'est gentil à vous. Comment ça se passe? Êtes-vous content? Vous attendiez-vous à ça? Très content, en fait. C'est une surprise, cet honneur-là ce soir. Puis je tiens vraiment à saluer toute la communauté d'affaires de la Rive-Sud. Puis on est vraiment très heureux de recevoir cet honneur-là. Puis je le reçois en l'honneur de l'équipe au complet. Puis, vous êtes probablement d'accord, la jeunesse, la relève, c'est une importance capitale. Puis on est vraiment très fiers de la représenter aussi bien. J'aimerais aussi remercier nos 2 marraines, soit Guylaine Dionne de Raymond Chabot, Grant Thornton, Chantal Leblond de l'Investissement Québec,
puis tous les membres du jury aussi pour nous avoir retenu pour la candidature de ce prix-là. Puis finalement, je tiens à remercier nos fidèles clients, employés, partenaires, fournisseurs. C'est un plaisir d'être avec vous au quotidien pour créer le Québec numérique de demain. Bien, encore une fois, félicitations à vous. Vive la jeunesse, vive la relève, puis on vous souhaite très longue vie. Merci. Passez une belle soirée. Vous restez avec nous, hein? Jusqu'à la fin, c'est important. Là, messieurs, le 22 janvier dernier avait lieu le dévoilement des 10 finalistes du concours L'ADN Montérégie, édition 2020. Ce concours-là, que j'ai d'ailleurs aussi le plaisir d'animer depuis le début de sa création, vise à faire rayonner l'entrepreneur. Il a aussi pour but de stimuler l'entrepreneuriat par la reconnaissance du leadership, de l'audace, de la détermination et de l'esprit novateur d'entrepreneurs de la Montérégie, qui constitue la fibre entrepreneuriale essentielle à la vitalité économique de notre région entreprenante. Hey boy, hein, ça en fait des mots. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu rentrer d'autres choses en lien avec l'entrepreneuriat dans ce texte-là. Alors, habituellement, le gala Dominique Rollin, notre gala, présente le ou la grande gagnante du concours L'ADN Montérégie. Mais cette année, encore une fois, à cause de la situation qu'on connaît, la grande finale du concours a été reportée au 7 octobre. Donc, afin de vous présenter non pas un ou une gagnant-gagnante, mais bien les 10 finalistes du concours L'ADN Montérégie, j'invite à nouveau Hélène Demers, cofondatrice, directrice générale de Saint-Éthique, mais qui ce soir porte son chapeau de présidente de la table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie, à vous en dire davantage sur le concours L'ADN Montérégie. Bonsoir. La crise du COVID qu'on traverse actuellement, comme la crise de 2018, ont obligé les entrepreneurs que nous sommes, tous et chacun, à puiser dans nos réserves d'énergie, à puiser dans nos réserves de créativité, à maintenir un leadership, à rester déterminé pour passer absolument à travers cette crise. Quand on est un entrepreneur d'expérience, on a des acquis. Quand nous sommes un jeune entrepreneur, il y a un apprentissage, il y a un chemin qui doit se faire au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet d'entreprise. L'ADN Montérégie valorise le moteur des entrepreneurs en leur permettant d'identifier la portion, l'équilibre entre le leadership, l'audace, la détermination et l'innovation. L'édition 2020 a été perturbée dans son calendrier par cette crise, mais dès septembre, vous pourrez assister de façon virtuelle aux ateliers de nos partenaires et vous pourrez connaître enfin les gagnants à l'intérieur du gala du 7 octobre pour voir qui se démarquera dans son profil de savoir-être et d'entreprise. Alors, j'introduis à ce moment ici la vidéo qui va vous permettre de rencontrer les 10 finalistes de l'édition 2020 L'ADN Montérégie. Bonjour, mon nom est Karine McMullin, je suis fière finaliste de l'ADN Montérégie. Je suis la relève de mon père, le Dr Jean-Norbert McMullin, et présidente de ODF Nutra. Bienvenue chez ABM Précision. Bien, ABM Précision, ce que ça fait, ça fabrique des dailles, des moules, et ça fait de la production industrielle. Bonjour, je me présente Marco Gagnon, fondateur d'Épuré. Épuré, c'est des délectables purées de légumes sous vide décongelé gastronomique, sans agent de conservation, sans saveur artificielle, que des légumes frais. Bonjour, bienvenue chez Ilou Mini Maison. Je me présente Josée Bilodeau, fondatrice de cette belle entreprise que j'ai fondée en 2016. Comme le nom l'indique, je fabrique des mini maisons. Je m'appelle Guillaume Bernard, j'ai fondé mon entreprise Équipement VegTech en 2018. On est situé à Sherrington en Montérégie et on est spécialisé en conception et fabrication d'équipements automatisés pour la production maraîchère. Bonjour, bienvenue chez Faneuf International, l'aréna de demain. Je suis Alain Faneuf, le président fondateur et surtout capitaine qui va développer ici au Québec une surfaceuse à glace 100% électrique, entièrement automatisée, à conduite autonome, qui va faire économiser 1,5 million de litres d'eau annuellement à nos clients. Je suis Amanda Arciero, cofondatrice de l'entreprise Érudit. Je suis à la tête d'une start-up en tech. Nous développons une plateforme d'aide à la décision en ressources humaines animée par l'intelligence artificielle, qui émet des recommandations instantanées, éclairées et basées sur les meilleures pratiques RH. Bonjour, je me nomme Christian Chauvin, président de Multisystem, une compagnie située à Sainte-Julie qui conçoit et fabrique des cadres et des panneaux lumineux utilisés entre autres comme éléments décoratifs
ou dans le cadre d'une stratégie marketing pour augmenter la visibilité d'un produit. Bonjour, je m'appelle Audrey Laberge, je suis la fondatrice du Club Acrobat. Qu'est-ce que c'est le Club Acrobat? En fait, c'est une place où on donne des cours de gymnastique et trampoline pour les enfants, et ce, dès l'âge de 18 mois. Je suis François-Pierre Blain, président de Globe Protéines et créateur de la marque Grillon le pain Quick Bread. Merci beaucoup à Hélène Demers. Félicitations aux finalistes. C'est donc un rendez-vous, je vous rappelle, pour le concours de l'ADN Montérégie le 7 octobre prochain. Juste avant de poursuivre, Richard, tu as un commentaire exceptionnel. Oui. Je t'appelle-tu Richard ou bien non, je t'appelle Paul? Paul. Je suis mêlé. On va y aller avec Richard, mais farce à part, hein, la raison d'être du gala, ouais, c'est de souligner l'excellence de la Rive-Sud. Et j'ai un commentaire ici de mon ami Yvan et je veux le lire textuellement. Vas-y. Bravo à tous les finalistes. L'économie de la Rive-Sud est entre bonnes mains. Merci à vous, chers entrepreneurs, parce que c'est vrai que notre Rive-Sud, elle est formidable. C'est vrai, je suis fier d'être entrepreneur de la Rive-Sud, moi aussi, je vous le dis. On sent l'effervescence. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez l'expression « dans les petits pots, les meilleurs ont gain ». Il y en a beaucoup sur la Rive-Sud aussi comme ça. Mais je peux vous dire qu'elle représente très bien notre prochaine catégorie des prix excellence. Alors attention, entreprise de services moins de 20 employés qui est présentée par Intuit QuickBook. Je passe la parole à Sébastien Rochefort qui est associé chez Moquin Amiotte afin de nous présenter cette catégorie. Bonsoir à tous. Il me fait grand plaisir de me joindre à vous, chez vous, ce soir. La firme Moquin Amiotte, en collaboration avec QuickBooks, sommes fiers de participer, année après année, à cette reconnaissance des belles entreprises de chez nous. Le format de la soirée est très certainement différent cette année, comme plusieurs choses de notre quotidien d'ailleurs. Mais je suis convaincu que vous vous rappellerez longtemps de cette soirée du 18 juin 2020. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de la Chambre qui, comme plusieurs entrepreneurs, a dû, comme on dit, se virer sur un dix-sept pour présenter une version de la soirée adaptée au contexte, tout en désirant maintenir un niveau de qualité d'événements auquel ils ont su nous habituer. Quand on pense à son entreprise, il y a des facteurs connus, mais combien d'inconnus? Ça prend par moments de la chance, mais très certainement du cœur au ventre pour se lancer en affaires. Quand on regarde les succès des entrepreneurs, on ne pense souvent pas a priori aux périodes plus mouvementées qui ont dû être traversées. La période actuelle est sans contredit un exemple marqué de la ténacité plus importante qui est par moments requise. Ce soir, c'est le moment de lever notre chapeau à ces bâtisseurs que sont nos entrepreneurs. Sans plus tarder, voici les finalistes de la catégorie entreprise de service moins de 20 employés. La boîte C est spécialisée en remplacement de toitures commerciales, industrielles et résidentielles. Celle-ci se démarque par son approche unique, axée sur l'éducation de sa clientèle, afin de lui permettre de faire des choix judicieux lors de remplacements de toiture. Forte de sa cote de satisfaction exceptionnelle, l'entreprise compte se tailler une place de choix dans le marché des toits plats de grande superficie dans les prochaines années, afin de devenir un incontournable dans le domaine de la toiture dans la région de Montréal. La boîte C est parrainée par Marie-Pierre Laliberté de BDC. Groupe Core intègre des solutions technologiques de pointe dans le secteur de la construction et du bâtiment. Elle est reconnue pour son expertise en acquisition et valorisation des données du bâtiment. Grâce à son approche innovante et créative, Groupe Core contribue à réduire l'impact de l'industrie de la construction sur le plan social, économique et environnemental, tout en réduisant les coûts de construction et d'exploitation des bâtiments. Groupe Core est parrainé par Marie-Pierre Bergeron, de développement économique de l'agglomération de Longueuil. Arium Design se spécialise en signalétique ainsi qu'en design graphique et industriel. Elle possède une solide expérience au niveau de la conception, de la production ainsi que de la gestion de projet. Arium est l'une des plus importantes firmes en signalétique et en communication architecturale au Québec. La complémentarité des qualifications pluridisciplinaires de l'équipe permet d'embrasser la complexité de chaque projet en proposant des services intégrés, du design industriel au design graphique. Arium Design est parrainé par Darsen Charles, de RBC. Nous retournons maintenant en studio pour le dévoilement du lauréat. Oui, on est de retour en studio et l'entreprise gagnante dans cette catégorie, attention, ouverture de l'enveloppe,
est Arium Design. Félicitations! Arium Design, qui est parrainé par Darcène Charles de la RBC. Et on va rejoindre les gens d'entreprise. Bonsoir! Félicitations, vous, bonsoir, vous avez choisi. Bonsoir. Hey, vous êtes dehors. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec vous? Ils sont dans la maison, mais oui, toute la famille est là, oui. C'est extraordinaire. Il fait tellement beau en plus en ce moment. Oui. Hey, bravo, félicitations. Merci, vous avez sûrement merci. Des gens à remercier. On vous écoute. Oui. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour le gala. Vous avez réussi à vraiment créer un événement, un qui nous a permis de se rassembler, même si on est à distance. Les employés sont à l'écoute, les amis, la famille. Donc, puis bravo, la présentation jusqu'à maintenant, c'est excellent. Au niveau du prix qu'on vient de gagner, j'aimerais vous mentionner que ça fait 17 ans que l'entreprise existe, ça fait 17 ans que j'ai différentes entreprises. J'ai appris avec le temps que malgré qu'on loue les valeurs d'un entrepreneur, de persévérance, d'avoir des idées, etc., réussir une entreprise est toujours basé sur l'appui qu'on peut avoir autour de nous. L'appui au niveau de la famille, l'appui au niveau des employés, les clients, les fournisseurs. Puis aujourd'hui, je voudrais tous les remercier. Aujourd'hui, sans l'appui de mon épouse, mes enfants, ma mère, la famille au complet qui nous a toujours appuyés, l'entreprise ne serait pas où elle est, où est-ce qu'elle est aujourd'hui. L'entreprise a pris aussi une croissance dans les dernières années, puis c'est vraiment grâce à l'équipe formidable que j'ai, qui sont persévérants, qui me suivent dans ma vision, qui sont dévoués à l'entreprise. On a du plaisir à le faire et l'entreprise continue cette croissance-là. Et nécessairement, clients, fournisseurs et tous qui nous aident. Je voudrais aussi remercier Darcène Charles qui nous a appuyés dans notre candidature. Merci beaucoup, Darcène, et j'ai hâte de te voir. Et donc, merci aussi à mes amis entrepreneurs qui nous donnent des conseils. Et à tout le monde, lâchez pas dans cette situation-là qu'on vit actuellement. Il y a des opportunités, il faut être créatif et il faut continuer. Et voilà. Merci. Merci à vous. Merci pour les gentils compliments pour le gala. On les garde, puis on va essayer d'être à la hauteur de vos attentes jusqu'à la fin. C'est premier, ça. Bravo pour votre prix. Profitez de la belle température. Je m'en vais voir mon analyste tout de suite, mon Paulude à moi. Tantôt, tu disais dans les petits pots, les meilleurs onguents. Oui. Moi, je dirais dans des petits pots de grands projets. Parce que cette entreprise-là a fait la signalétique intérieure et extérieure du Casino de Montréal, du Parc Jean-Drapeau, du Pôle culturel de Chambly. Bravo. Et on a Assam qui est remercié Darcène, mais on a aussi Darcène qui dit « Bravo, Assam, tu as une très belle histoire corporative à partager. » C'est extraordinaire. Moi, j'aime ça. Ça va dans les deux sens. Yes. Ils se répondent. Vive les galas virtuels. Merci, Richard. Dans la prochaine catégorie, on parle d'entreprises plus grosses que dans la catégorie précédente. J'aurais bien voulu, d'ailleurs, faire un gag sur cette info-là. Mais en 2020, les blagues de gros, on n'a pas le droit. Alors donc, je vais me contenter de dire ceci. La prochaine catégorie est entreprise de services 20 employés et plus, présentée par la Banque TD. Et la Banque TD est fière d'être associée depuis plusieurs années au Prix Excellence. Malheureusement, il ne pouvait pas être présent ce soir. Donc, voici nos finalistes dans la catégorie entreprise de services 20 employés et plus, présentée par la Banque TD. La réputation d'excellence de Chronojet et sa filiale Luxe découle de l'intégration verticale qui permet de contrôler 100% des services afin d'offrir une expérience irréprochable. Le slogan « The sky is not the limit » démontre comment le nolisement d'avion est amené à un autre niveau. Avec un taux d'efficacité et des performances de départ à l'heure de 96%, Chronojet est aujourd'hui une référence dans l'industrie. Chronojet est parrainé par Marie-Pierre Bergeron, de Développement économique de l'agglomération de Longueuil. C'est sur plus de 42 ans de la pratique de l'architecture des domaines publics et parapublics que GR7 Architecture s'est développée. La programmation des projets, l'architecture, le design intérieur, les ouvrages d'art et la certification LEED font partie des principaux services offerts par GR7 Architecture. Leur mission est de créer une architecture pertinente et enrichissante, ainsi que d'assurer la pérennité du patrimoine architectural de ses clients, tout en protégeant l'environnement et ses ressources. GR7 Architecture est parrainé par Sacha Concave de Banque CIBC.
Legault-Dubois est une entreprise d'inspection et d'expertise qui vient en aide aux propriétaires et aux gestionnaires d'immeubles ainsi qu'aux différents acteurs de la construction afin de résoudre tous les types de problèmes pouvant survenir aux bâtiments résidentiels et commerciaux. L'entreprise, recommandée par CAA Habitation, est active dans la plupart des régions du Québec. Legault-Dubois prône une approche environnementale dans les différents domaines de la construction. Legault-Dubois est parrainé par Olivier Collard, de Blain, Joyal, Charbonneau et Benoît Antil, de Terrien Couture Jolicoeur. Et attention, mesdames, messieurs, le lauréat de la catégorie entreprise de service de 20 employés plus est, ouverture de l'enveloppe, c'est écrit, Chronojet! Bravo à Chronojet, mesdames, messieurs. L'entreprise est parrainée par Marie-Pierre Bergeron de chez Dell. Bonsoir à notre gagnante, ça va bien? Félicitations à vous. Je ne sais pas si les autres gens vous entendent. Moi, je ne vous entends pas. Mais allez-y avec vos remerciements parce que vraisemblablement, vous m'entendez, vous. Alors, on vous écoute. Allez-y. Oui. Mais en fait, premièrement, félicitations. Oui! Donc, félicitations à tous les finalistes qui sont en catégorie ce soir. C'est sûr que je ne suis pas ni Vincent ni Dany Gagnon. On aura compris les deux fondateurs de l'entreprise. Par contre, en leur nom, j'aimerais remercier la Chambre de commerce de la Rive-Sud de Montréal, excusez-moi, de la Rive-Sud, et surtout nos employés. En fait, une entreprise comme Lux ou comme Chronojet, c'est la force de ses employés, leur dynamisme. Donc, merci à tout le monde, puis j'espère que tout le monde va passer une belle soirée. Bien, belle soirée à vous. Bravo à Chronojet. Merci. Et prenez un petit verre de vin mousseux à notre santé, puis vous en enverrez aux deux patrons, hein, c'est important. Effectivement, c'est ce que je vais faire. OK. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Cher Richard, à toi la parole. J'ai retenu tantôt « Sky is not the limit ». Oui, c'est une version nouvelle de l'expression, ça. Une version nouvelle, et sincèrement, j'ai hâte de voir ça va les mener où, parce que cette entreprise-là est passée de 12 employés en 2017 à 150 employés en 2019. Oh my God! Si sky is not the limit, oui. Ils s'en vont où? C'est une expression utilisée, ça, à l'avenir. Hein? Sky is not the limit. Et c'est le cas de le dire avec un gala qu'on réussit à mettre en onde comme ça, et à la télé, et sur le web. Vous savez que depuis le début du gala, d'ailleurs, on remet des prix aux gagnants de chaque catégorie. On a 11 gagnants, 11 trophées manufacturés qui seront bientôt distribués. C'est quand même beaucoup, mais c'est rien à côté des nommés dans notre prochaine catégorie. Donc, c'est déjà l'avant-dernière catégorie régulière de ce gala Excellence 2020 et elle s'appelle Entreprise manufacturière ou de distribution moins de 10 millions. Elle est présentée par Développement économique de l'agglomération Longueuil, votre bras droit en affaires. Je vous présente Julie Etier, la directrice générale de Dell, qui nous présentera à son tour la catégorie. À toi la parole, Julie. Bonsoir à tous. En ces temps particulièrement éprouvants, il est encore plus important de reconnaître la détermination et la passion sans fin de nos entrepreneurs. Développement économique de l'agglomération de Longueuil est donc fier de s'associer une fois de plus aux prix Excellence qui font briller les entrepreneurs d'ici. Gens d'affaires, je ne vous apprends rien en vous disant que les décisions déterminantes vont se multiplier dans les prochains mois. Votre courage, votre persévérance, votre résilience vont être mises à l'épreuve. Et dans ce contexte, Dell est présent plus que jamais pour vous accompagner dans la relance de votre entreprise. Notre équipe de professionnels expérimentés est portée par l'envie de vous voir surmonter cette crise. Que ce soit par du financement, la gestion de vos ressources humaines, la transformation de votre modèle d'affaires ou le virage numérique de vos opérations, Dell est là pour vous aider à retrouver votre air d'aller. Entrepreneurs, je vous invite à retrousser vos manches avec Dell, votre bras droit en affaires, pour avancer dans cette nouvelle réalité. Alors, sans plus tarder, voici maintenant les finalistes de la catégorie entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions. Entreprise québécoise de deuxième génération fondée en 1986, TTI Fabrication est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de thermopompes. La mission de l'entreprise est d'offrir des produits de qualité supérieure, d'une fiabilité exemplaire, n'utilisant que de l'énergie renouvelable et 100% recyclable, à un prix économique défiant toute compétition. TTI Fabrication a votre confort et vos économies à cœur. TTI Fabrication est parrainée par Joanne Anger, de Développement économique de l'agglomération de Longueuil, et Julie Germain, d'Exportation et Développement Canada. Café Expert est une entreprise familiale spécialisée dans les services alimentaires en milieu de travail.
Depuis près de 25 ans, la qualité du service et les produits de Café Expert a permis à l'entreprise de se positionner parmi les meilleurs de l'industrie. Avec sa nouvelle boutique spécialisée Ma Caféine en 2019, Café Expert a pris une place de choix sur le marché du café et des machines distributrices en entreprise. Café Expert est parrainé par Marie-Christine Lavallée, de Bernard et Brassard et Simon Couturier de Banque TD. Météo Solutions est une référence en distribution de produits ferreux et non ferreux au Québec. Son inventaire de plus de 6000 items lui confère le titre de dépanneur en chef pour les besoins en acier au Québec. L'expertise de Météo Solutions lui permet d'offrir un service de formation unique où les écoles et les entreprises sont formées sur l'utilisation et les méthodes de trempe. Météo Solutions est parrainé par Jean Ellison d'Investissement Québec et Joanne Anger de Développement économique de l'agglomération de Longueuil. En terminant, je remercie la Chambre qui a su inventer une nouvelle formule au prix Excellence pour le plus grand bénéfice de notre communauté d'affaires. Et maintenant, dirigeons-nous en studio pour le dévoilement du lauréat. Alors, je vous présente maintenant le lauréat catégorie entreprise manufacturière ou de distribution au moins de 10 millions. Et j'ouvre l'enveloppe. Ça a bien été l'ouverture des enveloppes jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer. Métaux Solutions, félicitations parrainées par Jean Ellison d'Investissement Québec et Joanne Anger de chez Dell. Alors, l'entreprise s'appelle Métaux Solutions et ils sont avec nous en direct. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça va super bien. Ça va encore mieux, en tout cas, hein, qu'au début du gala. Félicitations pour votre prix. Vous êtes content? Oui, je suis très content. Je suis très content. Merci beaucoup. On vous laisse faire vos remerciements, vous adresser aux gens. On vous écoute. Bien, merci. Merci à la Chambre de commerce. Merci aux gens qui étaient sur le jury. Félicitations à Café Expert puis à TTI Fabrication. Merci beaucoup à Jean Ellison. Jean, il m'aide depuis que je suis en affaires, donc depuis 25 ans. Merci à Nathalie Baudouin pour avoir accepté de parrainer et de marrainer aussi là, la nomination. Super heureux de gagner. Comme on l'a entendu souvent ce soir, là, c'est une équipe. Merci beaucoup à tous les gars, toutes les femmes qui travaillent avec moi. C'est vraiment une super gang que j'aime profondément, puis je suis vraiment content. C'est une super belle reconnaissance. Cette année, on célèbre notre 25e anniversaire. Puis sur ces 25 ans-là, dans le fond, il y en a 13 avec lesquels j'ai travaillé à tous les jours avec mes parents. Donc, il y a une portion du trophée, puis sûrement du chèque là, qui va arriver à un moment donné, là, qui leur revient. Je veux seulement les remercier. Je sais que mon père, il l'écoute à la télévision. Alors, that's it. Ça te revient à toi aussi. Merci beaucoup. Puis, bien, c'est ça. Merci à tout le monde. Merci. Merci à vous. Félicitations à votre entreprise Métaux Solutions. Passez une belle fin de soirée. Vous restez avec nous. On va rejoindre Richard. Oui. On m'a dit que Métaux Solutions avait un secret. Ah oui? Eh oui. Leur secret, c'est que les employés sont au cœur des priorités de l'entreprise. Ils ont encore leur premier employé qu'ils ont engagé il y a 20 ans. Pour vrai? Et l'entreprise se targue même de dire qu'ils n'ont perdu jusqu'à présent aucun employé. C'est extraordinaire, ça. Mais souvent, les entreprises familiales, tu sais, c'est ça que ça fait. Hein? On dirait que les gens restent, Il y a une fibre, un attachement. Oui, exactement. Puis c'est bien de garder tes employés longtemps. Ça peut juste être mieux. Merci, Richard. Commentaire avant d'aller à la dernière catégorie? Écoute, il y a plein de beaux commentaires. Ils bravo sont pour ce gars-là. On parle, les commentaires disent, on a des entreprises merveilleuses, mais ça, je vous l'avais dit dès l'entrée, que vous découvririez aujourd'hui, ce soir, des entreprises sur notre territoire et les gens le reconnaissent. C'est plein de beaux commentaires à Stéphalo. Merci. Merci à vous de nous inonder de beaux commentaires. Comme ça, vous continuez jusqu'à la fin parce que c'est pas fini. Là, on passe à la dernière catégorie et non la moindre, dernière catégorie régulière, entreprise manufacturière ou de distribution 10 millions et plus, présentée par HSBC. Et si vous comprenez la même chose que moi, là, quand on dit dans 10 millions et plus, c'est le « et » moi que j'aime. Parce que ça n'a pas de fin. Ça peut être 11 millions, oui, mais ça peut être 100, 200, 300 millions. Alors, c'est un immense wow. Et pour représenter la catégorie, j'invite Mme Madalina Dragomirescu, la vice-présidente adjointe et directrice service aux entreprises région de la Montérégie et de l'Estrie, à venir nous présenter les entreprises finalistes. C'est le cas de le dire. Bonsoir. La Banque HSBC est fière de s'associer cette année encore à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud,
afin de présenter la dernière catégorie des prix Excellence, entreprise manufacturière ou distribution de plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Dans une période éprouvante comme celle que nous vivons en ce moment, c'est encore plus important de souligner le travail des entrepreneurs qui sont les piliers de notre économie. Ils sont nos héros tout autant que les travailleurs du domaine de la santé, car ils s'occupent de la santé de notre économie. Bravo à toutes les compagnies nominées. À nos yeux, vous êtes tous des gagnants. Présente dans une dizaine de pays, Maximus offre des solutions technologiques pour les entreprises d'élevage de porcs, de volailles et de vaches laitières. L'entreprise fabrique un système de contrôle évolutif unique qui permet d'automatiser et de contrôler à distance les activités de production animale. Maximus offre également un logiciel de gestion spécialisé permettant la collecte de données en temps réel et la production de rapports de gestion. Maximus est parrainé par Stéphane Ouellette de Desjardins Entreprises Rive-Sud et Julie Germain d'Exportation et Développement Canada. REF Plus conçoit et fabrique des appareils de réfrigération industrielle et commerciaux pour le marché nord-américain. Grâce à son centre de recherche à la fine pointe de la technologie et à un groupe d'ingénieurs et de concepteurs chevronnés, l'entreprise est un leader dans la fabrication sur mesure d'unités haute performance. REF Plus est en pleine expansion et emploie maintenant plus de 270 employés répartis dans trois usines de fabrication situées à Saint-Hubert et à Boucherville. REF Plus est parrainé par Jean Ellison d'Investissement Québec. Bien plus qu'un concepteur et un fabricant d'échangeurs de chaleur, Thermofin est axé sur la performance. L'entreprise produit une grande quantité d'échangeurs de chaleur pour un large éventail d'applications, dont plusieurs projets de grande envergure. Reconnu comme un partenaire de choix par plusieurs entreprises de renom pour son expertise thermique, Thermofin est rapidement devenu un des plus importants fabricants de tubes à ailettes en aluminium extrudé en Amérique du Nord. Thermofin est parrainé par Julien Lafleur de BMO et André Archambault d'Investissement Québec. Bonne chance! Retournons en studio pour découvrir l'entreprise gagnante. Alors finalement, le lauréat de la catégorie entreprise manufacturière ou de distribution 10 millions et plus est... Attention, mesdames, messieurs, il s'agit de REF Plus. L'entreprise REF Plus est parrainée par Jean Ellison d'Investissement Québec. Alors, on va aller rejoindre les gens de chez REF Plus et ils sont nombreux. Ils se sont réunis en groupe. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes combien? Bien, on est toute l'équipe de gestion, on est 8. Extraordinaire. Hey, bravo! Félicitations! Puis vous avez un magnifique décor. Je vous cède la parole. Je vous laisse faire vos remerciements. Allez-y! OK, bien, comme tout le monde l'a dit, c'est un énorme travail d'équipe. Alors, on est très fiers. On a travaillé fort toute l'année, depuis plusieurs années, en fait, pour en arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et puis, on voudrait remercier, évidemment, tous nos employés. C'est un travail d'équipe extraordinaire. On voudrait remercier aussi tous nos partenaires d'affaires, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires financiers, notre sponsor, Jean Ellison et Investissement Québec, et puis évidemment la Chambre de commerce et le jury pour nous avoir sélectionnés. On est très, très fiers. Alors, merci beaucoup à tous et félicitations à l'équipe de REF Plus. Bravo! Bravo! Là, vous allez me remplir cette belle table-là de vin mousseux. Là, puis amusez-vous, levez votre verre. On lève le nôtre à votre santé. Félicitations, passez une belle soirée puis restez avec nous jusqu'à la fin, là. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin au dévoilement des gagnants dans nos catégories régulières. Juste avant de poursuivre, tu avais une petite stat sur REF Plus, hein? Bien, pas une stat, mais REF Plus, malgré son domaine d'expertise, qui est la réfrigération, ouais, est une entreprise très chaleureuse. Pourquoi? Parce qu'elle veut garder, malgré sa grosseur, un aspect familial, nombreuses activités sociales puis programmes de récompense pour ses employés. Bravo! C'est une couple de trucs pour garder ses employés longtemps aussi, ça. Alors donc, attention, je vous rappelle que même si les catégories régulières sont terminées, que les 11 lauréats ont été annoncés, c'est pas fini. Parce que toutes les entreprises finalistes sont éligibles à recevoir une mention spéciale, soit développement durable qui est remis parmi tous les finalistes, et également le prix coup de cœur qui récompense une entreprise finaliste qui n'a pas gagné dans sa catégorie, mais qui a particulièrement retenu l'attention du jury. Et finalement, la grande entreprise de l'année, la top
parmi les tops de nos lauréats de ce soir. Alors, on va aller voir nos finalistes une dernière fois ce soir pour saluer. J'espère que vous allez toujours bien, chers finalistes. J'aime ça quand on voit la mosaïque. Ça va bien, tout le monde? Tout le monde répond en même temps, mais on ne les entend pas. C'est correct parce que sinon, ce serait cacophonique. Merci. Je vais faire du même objet. Merci d'avoir été avec nous toute la soirée. Restez là. Alors, sans plus tarder, on débute avec la mention spéciale. Développement durable, c'est présenté par Sun Life. Et choisi parmi tous les finalistes, l'entreprise lauréate doit s'être démarquée par ses actions concrètes qui visent à améliorer de façon significative son empreinte écologique. Alors, j'invite M. Robert Dumas, le président et chef de la direction de la Sun Life Québec, à venir nous présenter ce prix, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour nous, la Sun Life, de présenter le prix Développement durable. Dans le monde actuel, c'est essentiel que les entreprises se mobilisent et qu'elles lèguent un avenir durable à leurs clients et à leur collectivité. Le monde des affaires a compris sa part de responsabilité. On est tous conscients de notre influence et les décisions qu'on prend aujourd'hui vont affecter les générations de demain. Et c'est dans des temps comme ceux que l'on vit actuellement qu'on prend conscience de la portée de notre ADN d'entreprise. L'ADN d'entreprise, c'est ce qui définit nos actions. Et ultimement, elle nous permet d'être plus près de nos employés, plus près de nos partenaires, plus près de nos clients et par conséquent d'être plus forts. En ce qui nous concerne, à la Sun Life, on réalise à quel point nos efforts ont un impact positif pour les gens. Notre raison d'être nous a inspiré une stratégie de durabilité très claire. Et c'est en permettant à nos clients d'investir de façon responsable et en les guidant vers une sécurité financière durable et un mode de vie sain qu'on a un apport majeur dans leur vie. La résultante, chaque année, depuis 11 ans, on figure parmi les 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable, et ce, au monde. Ce soir, parmi toutes les finalistes qui font la fierté de nos communautés, une s'est particulièrement distinguée en matière de durabilité. Ce prix célèbre des gens qui, aujourd'hui, visent dans leur quotidien à redonner aux personnes de demain. Je salue leur effort et leur souhaite plusieurs autres grandes réalisations. Bravo. Manuel, à vous en studio. Alors attention tout le monde, l'entreprise gagnante du prix Développement durable est, et j'ouvre l'enveloppe tout de suite. Félicitations, ah, j'avais dit que ça allait bien, là je l'ai déchiré celle-là. Legault Dubois, bravo! Parrainé par Olivier Collard de Blain-Joyal-Charbonneau et Benoît Anctil de Terrien Couture, Joli Cœur. Hey, bonjour cher gagnant, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Félicitations. J'aime bien votre fonds virtuel en arrière, à moins que vous soyez au centre-ville pour vrai. On est en haut du centre-ville, mais ça se fait très bien quand même. C'est extraordinaire. Hey, bravo, on vous écoute, on vous laisse la parole. Hey, merci beaucoup. En fait, je pense qu'on veut peut-être juste souligner l'effort qu'on a mis dans cette approche-là, en fait, par rapport au logiciel de gestion des routes qu'on a pu installer dans l'entreprise, qui permet de sauver énormément de kilométrage et énormément d'essence dans tous les déplacements qu'on fait pour la gestion de notre flotte de véhicules, d'inspecteurs en bâtiment. Et alors, à travers tout ça, bien, c'est toute l'équipe d'informatique, l'équipe de gestion, Isabelle en particulier, Pascal, mon associé, qui a fait un travail considérable pour pouvoir implanter un logiciel comme celui-là chez nous. Puis on est très content, en fait, du résultat de tout ça. Bien, félicitations encore une fois. Puis merci de vous joindre à nous ce soir, de rester jusqu'à la fin. Appréciez votre prix, c'est quelque chose qui se savoure. Merci, parfait, beaucoup. Merci beaucoup. Passez une merci belle beaucoup soirée. Maintenant, la deuxième mention spéciale veut récompenser cette fois-ci une entreprise parmi tous les finalistes qui n'ont pas gagné dans leur catégorie, mais une entreprise qui s'est particulièrement démarquée et qui a capté l'attention du jury. Alors, il s'agit du prix Coup de cœur qui est présenté par Desjardins Entreprises. Et pour ce faire, j'invite M. Ivan Audet, directeur principal développement des affaires PME, à venir nous présenter ce prix. Chers entrepreneurs, durant cette pandémie où l'activité économique était réduite presque à zéro, vous avez vécu ou vous vivez des émotions de tristesse, d'isolement, d'impuissance, de frustration, de colère.
toutes ces émotions qui convergent vers un sentiment de détresse sont tout à fait normales. Une panoplie d'outils existe pour vous supporter. Le principal, c'est de parler de vos émotions à vos proches et aux membres les plus influents de votre réseau de contact, pour que tous ensemble, nous réussissions à utiliser les opportunités qui vont émerger de cette crise afin de relancer l'économie du Québec et de la Rive-Sud. Merci à tous d'être là pour nous, pour la Rive-Sud, au nom de Desjardins Entreprises. Il me fait grandement plaisir et je suis honoré de vous présenter le coup de cœur des prix Excellence. Alors attention, l'entreprise gagnante du prix coup de cœur de ce soir est, et on ouvre cette enveloppe, la messieurs la boîte C, parrainée par Marie-Pierre Laliberté de la BDC. Bravo à la boîte C. Et on a un homme heureux qui est à l'extérieur, je pense, ou en tout cas à l'intérieur, mais partie extérieure de la maison. Bonsoir, ça va bien? Ah, très bien. Merci, Emmanuel. Bonjour, Richard. Merci beaucoup. Félicitations. Écoutez, il y a bien de l'émotion qui va avec ça. Les choses se bousculent dans notre tête et vous avez des remerciements à faire, évidemment. Ben, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Fait que c'est... on est toujours... on dit qu'on s'en attend pas, là, mais là, c'était vrai. Ceci étant dit, je veux dire merci à la Chambre de commerce de nous avoir... de nous mettre en lumière. Merci à Marie-Pierre Laliberté aussi, qui est notre marraine chez la BDC, qui nous a fait monter notre candidature pour ce soir. Je voudrais évidemment remercier tous nos employés dévoués qui font la différence, évidemment, chaque jour pour servir nos clients, travailler avec nous. Évidemment, je remercie Sébastien, François, évidemment aussi un autre François qui a monté notre candidature. J'apprécie énormément un associé là-dedans. Des partenaires solides qui sont avec nous depuis le début, qui travaillent à nous rendre meilleurs, parce qu'évidemment, là-dedans, c'est une histoire d'une équipe d'employés, de collaborateurs, de partenaires. J'ai tellement de gens que je voudrais remercier, j'en oublie. Mais évidemment, je remercie ma famille, ma femme, mes enfants, la famille qui me supporte comme entrepreneur. Je sais que tous les entrepreneurs, ce soir, ont des défis incroyables. Ceci étant dit, je les remercie d'être là au jour le jour. Merci à vous ce soir de tenir ce gala-là, même à distance. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est rempli de défis aussi pour la Chambre de commerce, mais ça nous fait réellement plaisir, ça nous fait rayonner. Merci aux gens qui nous écoutent aussi beaucoup. Merci à tous les entrepreneurs, pour terminer, qui, pour moi, sont des alliés, qui nous permettent de nous dépasser chaque jour. Puis, évidemment, bon succès à tout le monde. Pour nous, chez la boîte, on se verra sur les chantiers demain matin avec tout le monde. Tous les employés seront encore là. Puis on va continuer de travailler extrêmement fort pour rayonner sur la Rive-Sud dans les prochains jours. Merci énormément. Merci à vous. Félicitations. Vous passez une belle fin de soirée. Prenez un verre à notre santé et restez avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît. L'édition du Gala Excellence, la remise des prix, tire presque à sa fin, mais vous restez avec nous encore quelques instants puisque vous ne voulez surtout pas manquer le dernier prix. Et juste avant de le présenter... Richard, dernier commentaire. Bien, un commentaire important. Oui, un commentaire important parce qu'il vient d'une ancienne employée de la Chambre. Ah! Et elle nous a écrit, elle dit « Je regarde le gala et suis super fier du travail de la Chambre. Un bravo tout spécial à Stéphanie. Quel beau travail! » Et c'est vrai, il faut le souligner, la Chambre fait un excellent travail là-bas. Tout à fait, et on a le résultat que vous connaissez ce soir. Merci d'être avec nous à la télé ou sur le web. Alors, le dernier prix de notre gala de ce soir. Il s'agit du Grand Prix de l'entreprise de l'année qui est remis à une des entreprises lauréates de ce soir qui a su tirer son épingle du jeu parmi l'élite de la Rive-Sud. Alors, voici donc l'entreprise de l'année qui est présentée par Fortier d'Amour Goyette. Ça me dit quelque chose, ça? Hey, mesdames, messieurs, pour nous présenter le prix, l'avocat fondateur du cabinet Fortier d'Amour, M. Richard D'Amour du cabinet Fortier d'Amour Goyette, m'a le dire. Et Richard, je te cède la parole. Parce que là, j'en ai ouvert beaucoup d'enveloppes, mais c'est toi qui ouvres la dernière du grand gagnant ou de la grande gagnante. Merci, Manuel. Effectivement, mon cabinet est très fier d'être associé à ce gala-là et à la remise de ce prix-là de l'entreprise de l'année. Avant de dévoiler ça, Manuel, je dois te dire merci beaucoup. Quelle présentation, quelle animation t'as fait? Et je ne suis pas tout seul à dire ça. Parce que dans les commentaires... T'as des surprises? Ben oui! On a Isabelle qui nous dit « C'est vraiment sympathique, vous faites un super boulot. »
Il y a de la chaleur malgré qu'on soit à distance. Fait que Manuel, tu es capable de rentrer chez les gens. C'est un beau Bravo. Compliment, ça. C'est ça, c'est un beau compliment. Merci beaucoup, parce que c'est ça notre job, hein? C'est ça notre travail, essayer de vous faire vivre le gala le mieux qu'on peut, même à distance, comme si vous étiez en salle. Donc, on y va avec l'entreprise de l'année? Mais écoute, là c'est vrai, là. On est vraiment suspendu, pas à tes lèvres, à tes mains. Attention! Et le gagnant, la gagnante? Alors, c'est REF Plus, parrainé par Jean Ellison d'Investissement Québec. Félicitations, REF Plus! Bravo à REF Plus et on va les rejoindre. Ben écoutez, ils sont en... Hey! C'est-tu pas merveilleux, là? Ça... Je sais pas si vous les entendez, ça crie, ça hurle, c'est extraordinaire. Je sais pas si les gens de REF Plus, vous voulez nous adresser la parole. Vous m'entendez? On vous écoute. Ah, voici un représentant qui se lève, mesdames, messieurs, de l'entreprise. Et il arrive devant. Oui! Hey, bravo pour une deuxième fois! Oui, merci. C'est un honneur. C'est incroyable. Vous allez pouvoir boire deux fois plus d'alcool. Oui, absolument. Absolument. On fête ce soir. C'est la fête. C'est la journée du barbecue chez REF Plus. Là, est-ce que vous attendiez quand même à gagner deux prix ce soir? Pas du tout. Bon. Mais on est très contents. Là, vous avez une chance de remercier quelqu'un que vous avez oublié tantôt. Rapidement, on vous écoute. J'aimerais ça remercier tous mes employés. Ma blonde, ma mère, mes enfants. Non, sérieusement, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment toute l'équipe de REF Plus qui est gagnante ici. On est très fiers de tout le monde qui travaille pour nous. Nos employés font une part extraordinaire dans tout ça. REF Plus, c'est de l'innovation. On est une entreprise qui fabrique des équipements de réfrigération sur mesure. Alors, nous autres, on est toujours un peu différents. On innove. On a une équipe ici d'ingénieurs en arrière. Oui, vous levez. Alors, c'est ces gens-là là, qui rendent tout ça possible. Donc, merci beaucoup. On est très fiers et on va continuer à faire notre excellent travail. Merci à vous. Passez une belle soirée. Vous avez une double raison de fêter. Et puis, vous restez avec nous jusqu'à la fin. Merci à l'équipe. Bravo à l'équipe de REF Plus. Alors, écoutez, c'est ce qui met un terme à la remise des trophées de cette 36e édition assez particulière du gala Dominique Rollin. J'espère que vous avez apprécié votre soirée en notre compagnie, autant pour ceux qui nous ont regardés à la télé que pour ceux qui nous ont suivis sur le web virtuellement. Merci pour tous vos commentaires. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que Stéphanie Brodeur, on en a beaucoup parlé ce soir dans les commentaires, la toujours souriante directrice générale de votre chambre de commerce, a un important, dis-je bien, message pour vous. On l'écoute tout de suite. Bonsoir. Je tenais à prendre un moment pour féliciter toutes les entreprises lauréates, mais également tous les finalistes de la soirée. Votre passion, votre rigueur et, je vais ajouter, votre résilience est le moteur de ce qui nous anime à la CCIRS. Cette soirée a été rendue possible grâce à de nombreux et de très précieux partenaires. Chers partenaires de l'excellence, merci de nous avoir permis de faire rayonner nos extraordinaires entreprises de la Rive-Sud dans un tout nouveau format qui était vraiment requis cette année. Merci de votre confiance et de votre grande ouverture. C'est avec des gens comme vous que l'innovation est possible. Plusieurs entreprises vivent présentement des bouleversements sans précédent et l'équipe de la CCIRS sera là pour les soutenir dans la prochaine année, comme nous sommes là depuis déjà 60 ans. Les bouleversements, nous les vivons aussi en tant qu'OBNL et c'est pourquoi votre appui dans la prochaine année sera indispensable. En adhérant ou en renouvelant votre adhésion à la CCIRS, vous allez nous permettre, comme ce soir, de mettre en lumière nos entreprises d'ici et de mettre en valeur notre vaste réseau d'affaires. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt. Bravo. Merci beaucoup à toi, Stéphanie. Merci à toute ton équipe pour ce que vous faites afin de célébrer, de faire rayonner les entreprises et les entrepreneurs de la Rive-Sud. Richard, je te dis, je te le répète, ça a été pour moi un immense plaisir de partager la scène, ou devrions-nous dire le décor avec toi cette année, n'est-ce pas? Plaisir partagé, Manuel. Puis si tu me permets, je veux juste remercier tous nos parrains, tous nos ambassadeurs de croire à la Chambre de commerce, de croire à notre territoire puis à nos entreprises. Naturellement, encore une fois, merci TVRS, vous êtes un partenaire en or pour nous. N'oubliez pas, notre gala est en direct, mais il va être rediffusé aussi vendredi 19 juin.
mardi 23 juin, 19h30, pour ceux qui l'auraient manqué. Tu vois, ça, c'est un des avantages de regarder un gala à la télé. Si vous l'avez manqué, on n'est pas en salle, il est tourné, alors donc vous pouvez vous reprendre deux fois. J'en profite pour remercier également le groupe TVA, le partenaire de longue date du gala, Dominique Rollin, qui nous permettra, dès le 29 juin prochain, de présenter sur les ondes de LCN et TVA l'entreprise de l'année. Merci également à Protocole, notre merveilleuse entreprise de Saint-Lambert, qui fabrique depuis 5 ans les médailles et les trophées des prix Excellence. Et finalement, merci à vous tous d'avoir été présents avec nous ce soir. Merci d'avoir participé, d'avoir interagi. Richard et moi, on a été extrêmement honorés d'animer cette soirée pour vous dans une nouvelle formule adaptée. Je vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de notre Gala des prix Excellence 2020-2021. Là-dessus, on lève un verre à l'entrepreneuriat extraordinaire de la Rive-Sud. Bonne soirée, fêtez, amusez-vous. À bientôt. Au revoir tout le monde.